Bonsoir à tous, c'est Zorak Vos et on se retrouve pour une nouvelle session sur Crusader King 3 Game of Thrones Total Conversion Mode avec la famille Rain, évidemment, qu'on doit ramener de l'outre-tombe. Dans la dernière session, nous avions tout simplement commencé le projet de reconstruction de Castamir qui a vraiment énormément évolué. Hein. On est presque à la reconstruction totale de Castamir qui va nous aider fortement. Et nous avions réussi, après moult et moult combats, à récupérer territoires et territoires, duchés et duchés. Mais nous avions surtout, tout simplement, réussi à créer notre propre royaume, qui nous avait permis de rendre les duchés pris aux bec d'or et aux... Et aux licornes, là, je ne sais plus que c'est leur truc, de, tout simplement, redevenir duc. Avec ces nouvelles alliances, nouvellement et fraîchement récupérées, nous dirigeons vers la fin de l'ère Lannister et la reconstruction de notre capitale prestigieuse. Est-ce qu'on va y arriver? Où est-ce qu'on va s'arrêter ce soir? On le verra bien. J'espère que vous êtes chaud, parce que moi je suis comme d'habitude. Salut toi Pastek, salut Nasfodel, salut Walker Jones, salut Panettide qu'on n'avait pas vu depuis longtemps d'ailleurs, c'était incroyable. Et salut Kouros. J'espère que vous êtes chaud comme d'habitude. Parce que là, il va y avoir du steak. Il va y avoir du steakhouse normalement, ça va être si... C'est vénère, vénère. Donc comme je le disais, on a actuellement 1500 de prestige. C'est insane, si on veut faire des guerres, on est bon. On est en train de regrouper nos armées qui sont un peu dans la merde. Mais surtout on voulait faire des guerres parce qu'avec nos tout simplement nos bonus qu'on a chopé en intendance hein, tout simplement si on se rappelle, l'intendance, tout le bordel. On avait fini le trait architecte. Et on devra récupérer 1000 rétrocraties d'ailleurs. Normalement. Ou un truc dans le genre. Pas du tout. Bah d'accord, mais c'est attendez, je cherche. Je ne sais plus où est-ce qu'on va chercher, mais on va aller chercher des bonus. Et on pouvait maintenant gérer 7 territoires qui vont nous permettre de récupérer de l'argent. Et l'argent, c'est bien. Vous pouvez remarquer, comme d'habitude, que la caméra est à droite, c'est normal. C'est pour vous laisser le plus de possibilités de voir l'écran et ce qu'on est en train de faire. Le chef de la foi va me donner une revendication sur le comté de Pierrune. Mais je crois que c'est une... Oui, c'est un comté qu'il m'avait déjà donné à l'époque, hein, sur mon père. Donc ça ne m'intéresse pas. Au niveau des secrets, est-ce qu'on avait des secrets à... Oh, on a du chantage à faire là. Ah mais elle, on peut pas la chanter. Lui, il a pas d'argent. Et lui, c'est un pauvre. Ah, c'est un pauvre qui est cid en plus. Eh, c'est que mon fils, il a un petit flot quand même, eh. Eh, c'est que t'es un flot, mon cochon. Ça, c'est son frère. Oh putain. Oh, il a des balafres. Oh, il est gourmand. Mmh, c'est pas ouf. Ah, il a surtout une tête de cul. Putain, mon fils, il me ressemble, bordel. Alors, au niveau de tout ce chantier, on devait essayer de récupérer Castral Rock, je crois. On avait comme but de récupérer Castral Rock. Donc, on va lancer tout de suite à... Non, on économise de l'argent, voilà, donne-moi de l'argent. Ah, Bélafré, c'est pas moi qui la gère, je m'en fous. Donne la sous, donne les sous. Donne la clé. Ah non, on est en train de récupérer Sandremark. Sandremark, c'était quoi? C'était la capitale de con, là, hein. Mais c'est la capitale là, ok, dans 8 mois, ok. Ok, ok. Vous allez voir que ce stream, ceux qui m'ont découvert il y a pas longtemps, est plus calme que Pokémon, c'est vrai. Parce que c'est plus stratégique, c'est un peu plus... On est en soirée en plus, donc voilà, il faut se calmer. Mais vous n'en avez pas, vous allez voir que ce n'en est pas moins bien. Parce qu'on va péter des culs, et ça, pour mon plus grand plaisir. Ah, attendez, on peut déclarer une guerre, on peut déclarer une guerre. Pourquoi? On peut déclarer deux guerres, oh. Pour Lana... Pour récupérer tout le duché de fortune. Oh, ça va nous mettre... Tout ça, carrément. Un mail pour la seigneurie de l'Ornière. Ah non, on va récupérer la fortune, du coup. Si on peut récupérer la grande seigneurie de fortune, ça peut nous mettre très bien. Bah. On va faire ça. Et on va appeler... Ce qu'on appelle le Val. Ce qu'on va appeler le Val. Ils sont combien en tout, en face? J'ai même pas regardé. Je me souviens même plus. Le mec, il a Alzheimer, bordel. 4000 plus... Ça, c'est mes alliés, ça. C'est pas partie de mes alliés, ces conneries. Parce qu'à ce moment-là, on les appelle, ils ont moins d'alliés. Ah non, nous, on en trêve avec eux. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre les crânes, on va les appeler. On va appeler Martyr et on va appeler eux. Voilà. Le but, ça va être de les prendre, du coup, comme ça. On récupère un duché entier et là, ça va vraiment être pas mal. On a besoin d'un mec qui digne de ce nom. Mais c'est ma femme. Ma femme peut devenir chevalière. Bon, d'accord. Ma femme est trop métal, let's go. Let's go. Ma femme elle est là pour péter des culs, pourquoi pas. J'ai envie de dire, hein. Why not. Why not, why not. Oui c'était le Corval, voilà, c'était au
C'est pas la famille Corval, c'est la région du Corval. C'est quoi la famille? La famille Brax. OMG. OMG. On va attendre avant de lever, parce que si leurs alliés arrivent et chopent ici, on peut les rechoper derrière. Ce qui peut être vraiment très très bien stratégiquement. On va voir comment ça se goupille cette guerre. Mais ça devrait bien se passer. Sauf que ça nous permet de gagner plein de prestige. Et surtout gagner du territoire. Ah voilà, exactement. 1003. Oh, si on peut les ken direct dès qu'ils arrivent, ça peut être grandiose. On va juste accorder une audience, parce que ça peut être la guerre. On est quelqu'un ici qui accorde des audiences et qui parle au peuple. Au gueux, là. Au gueux, à la plèbe. Ouais, donne-moi du point, si tu veux. Abstinence de 20. Je gagne 50 de piété. Je le bute et je gagne la royauté. Je le bute. Oh! Alors qu'est-ce que c'est ça? Le maître Jainar s'approche de moi avec une posture plus droite que d'habitude et visiblement impatient de ce qu'il a à dire. Ah! Monseigneur, il y a beaucoup de choses à célébrer sous votre règne. S'il vous plaît, permettez-moi de payer les dépenses de votre prochaine fête. Peut-être qu'en retour, vous m'accorderez une faveur à l'avenir. Oh, à 100%, il va venir faire chier au conseil, ça va casser les couilles. Bon, bah, allez, pour 200 gold, je suis prêt à tout. Je suis une petite salope, pour 200 gold, on m'achète. Ok. Ok, il est en train de lever ses armées. On va les monter ici. Il élève où ce con? Attendez. Ah, ma sœur est morte. Ah bah d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'emmerde. Mais bon, écoutez, elle a fait sa vie. Elle a fait une belle vie, voilà, tout simplement. Hein. C'était peut-être pas la femme la plus... hein. Lewis Rain devient l'écuyer de Lord Tywin. Why not? Mon fils qui devient écuyer, c'est bien ça. J'apprécie. En fait, devenir écuyer, c'est bien. Alors toi, par contre, je vais te ken. Je vais te choper, je vais te ken. Fais ici, salaud. Ou lignage d'enfant. Attendez, on peut faire du... on peut commencer à... Oh oui. Ah, c'est un Baratheon. Glaive. Prince Glaive du trône de fer. Ouh. Mais c'est que ça pue mon cochon. T'es dans la merde. Accepte. Merci. Il va me donner de l'argent, ce connard. 0-0-204. On peut toujours pas la faire chanter, cette connasse. Malheureusement, je sais pas pourquoi. Hein. Mais bon, le jeu veut pas. Why not? Re, bande de vilains pas beaux. Re, incroyable. Re, Wolfried. Je sortis mon épée et je suis paré au combat. Exactement, on sort notre grosse épée et on est parti au combat. On est paré. Paré à tirer. Paré à canonner. On va aller directement vers la capitale. Le but ici, assiégé. Récupérer 2%, on leur a mis 700 unités dans la gueule. Ça fait extrêmement mal pour eux. Ça fait du bien. Paré à tirer, Capichef. C'est ça. Oh, des nouvelles infos. Oh là là, notre maître espion est en train de faire le taf. 22. Bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais c'est un truc qu'on peut directement foutre en bull en 100%. Ouh, ils sont en train d'assiéger, j'aime pas ça. Ouh, on peut lui demander beaucoup. Ah mais non, mais c'est pas elle que je veux exiger. Voilà, merci pour les 40 gold, connasse. On va assiéger, nos potes arrivent. Bon, ils ont récupéré un, mais on est combien là? 17 000 contre 8 000, ça devrait le faire. S'ils viennent, de toute façon, on les déglingue. Hein. Venez, les copains, vous voulez pas venir? Quoi? J'ai découvert que le contrat hérité du Lord Petyr l'oblige à donner plus que ce que vous avez perçu. Ah! Ah oui, bah non, frérot, tu me donnes plus là. Le mec, il est en train de me niquer. Sérieux? Le Pabo est prêt à tirer à grands coups de canon, exactement. Ça, c'est mes alliés. Hein. Oui, ils sont en train d'arriver, ok, parfait. Arrivez les copains. Comme d'habitude, je répète, hein, mais s'il y a le son, etc., n'hésitez pas à me dire si l'image et le son ça va. On préfère faire les changements en début de stream plutôt qu'en fin. Et je vous rappelle, malheureusement, que ce mode n'est pas optimisé. Voilà, ce qui fait que malheureusement, bah du coup, c'est possible que tout simplement ça lag un petit peu ou qu'il y ait des petits moments où ça freeze vite fait 2 secondes sur le stream. C'est normal, c'est le mode qui n'est pas optimisé à partir d'un certain temps dans le jeu. Et c'est un peu chiant. Vous promettez de verser. Non, bah non. C'est qui? Edgar Kravis, je m'en fous. Dégage, connard. On va pas la choper. Bonsoir Morgane, comment tu vas?
Très bien, sauf pour la tronche de cake MDR. Ah d'accord, merci, j'ai une tronche de cake. C'est bon à savoir. Alors, malheureusement du coup ils viennent de perdre une bataille parce que ces cons ils m'ont pas suivi. Ça m'arrange pas. Peut-être falloir faire appel au Val. Ça m'emmerderait en fait d'appeler le Val. Parce que le Val ça va me prendre énormément d'unités. Après ils sont vraiment ultra forts par rapport à nous. Bonsoir Morgane. Oh mais putain, mais il y a deux Morgane dans le chat. Incroyable. On sait plus où donner de la tête. Ma femme est enceinte. Let's go. Let's go, let's go. C'est bien ça. Ok, on vient de récupérer la capitale, on va aller directement les attaquer. Normalement on devrait pouvoir les choper, mes alliés vont venir, donc on devrait pouvoir les choper à plusieurs, ça devrait être vraiment très efficace. Si on peut les choper avant qu'ils assiègent, s'il vous plaît. Si on peut, on peut. Ah non, on peut pas, merde. C'est pas grave. Alors continue à chercher des secrets mon gars. Faut venir m'aider mec. Oh, je vais péter un câble, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, mes alliés viennent pas m'aider. Oh putain, je vais les tuer, oh je vais les niquer. Je lui ai dit, venez m'aider, bande de troufions là! Oh! Ah, ces K3 et leurs IA. Ah putain, mais c'est qu'ils se font attaquer, putain, merde. Oh, les IA de C4-3. On va appeler le Val. Je suis obligé d'appeler le Val, hein. C'est devenu une tristesse, hein. Devoir appeler le Val pour gagner une guerre contre 8000 soldats. Ah non, c'est bon, on la gagne. J'ai rien dit. On la gagne. Ouf, c'était chaud. A tué lors de la bataille de la montagne. Ah, la montagne de la Nera. Non, c'est pas la montagne de la Nera, la montagne pièdre. Ah, oh. Ok. J'avoue que... Faut se calmer, les gars, calmez-vous. Commencez pas, les mecs, commencez pas. Ah, oh, les sgeguitos, bordel. On est dans quelle zone? Ok, on est là-dedans, on va aller assiéger un peu partout. Ils ont pris combien d'unités de casualties? Ouh, ils ont pris cher. On va choper le capitaine. C'est eux qui ont la guerre. Ah, chasse de reine Myriel. Royaume des terres de l'ouest. Ils ont créé une nouvelle maison. Comment s'appelle? La reine Myriel a créé une nouvelle maison Lannister. Mais elle est conne. Mais c'était les chefs dynastiques des Lannister. Pourquoi elle a créé une branche cadette? Mais elle est complètement troufionne cette conne. Mais j'ai jamais vu des cons pareils. D'accord, wow, les Lannister ils sont bourrés hein. En plus d'être consanguins ils sont bourrés, let's go, ils ont rien pour eux les cons. Déclare tes sentiments Morgane pour le pouvoir, ah d'accord. Calmez-vous s'il vous plaît monsieur. Ouh, mon fils récupérera la dent de lait de Thaïlande. Écoute, prends la dent de lait frérot hein, si tu veux. Moi, je veux pas dire non, hein. Si t'as envie d'une dent de lait, prends une dent de lait. Oh Davos, les sous. Les sous de Davos. Oh, parce qu'il a l'argent, miskin. Oh, 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 oui. Bientôt, les travaux de reconstruction vont commencer. Oh, le bâtard. Bah, tiens, allez, hop, je dis à tout le monde que tu t'es fait sodomiser. Voilà, allez, hop. Chez karma dans ton cul. Pour le coup, c'est vraiment véridique, en plus. Le mec c'est un sodomite et il ose pas vouloir voilà, ouvrir sa, pas me payer. Bah je le dis. Ok. Normalement ça devrait arriver plutôt vite. On a une fille, ok, pourquoi pas. Nala, on va l'appeler Nala, voilà. Écoutez, le Roi Lion, on aime le Roi Lion nous. Dans Game of Thrones vous savez pas mais ils ont la télé donc ils regardent le Roi Lion. Quoi dois-je me retenir de te spoiler le jeu que je vais t'imposer? Oh. Non, parce que t'as pas dit ça, t'as dit commence pas MDR en parlant à notre très cher FDG. Enfant maladif pour ma fille, malheureusement, c'est un peu dommage. Et j'ai encore un secret sur Alara. Putain, mais décidément, celle qui gère les Stark maintenant, ça devient une catastrophe. Hein. Putain, la vache. C'est une catastrophe. On va vite aller les aider. Oh, ils sont pas venus aider. Regardez comment ils sont arrêtés en mode. Non, on va pas venir. Ah les bâtards. Ah les petites salopes. Oh, c'est génial quand ça se passe comme ça. Quand les alliés ils vont pas venir t'aider. Oh là là. Quand c'est pas que les ennemis et les alliés qui font ça, que c'est aussi les ennemis. Quel plaisir. Ok, le Val est en train d'arriver, ça c'est parfait.
On va juste mettre un nouveau seigneur et on va attaquer directement leurs unités. Ah! Mon frère est mort! Non, mon frère est mort pendant la bataille! Non, mon frère! Oh, de toute façon, t'étais le préféré de papa, connard! Ah, j'ai perdu mon frère! Oh, la triste vie! Oh, mon frère, il est mort! Oh, mon frère est mort! Les gens, on a perdu mon frère. Triste vie. Il avait une fille, il avait des enfants, mon frère. Il est où? Oui! Donc c'est lui maintenant qui gère l'usure. Lord Valar de l'usure. Incroyable! Il va devoir donner des territoires, le cochon. Hein. Putain, il a eu combien de gosses, mon frère? Ouais, il en a eu 5. Ah ouais, ça a ken sec chez lui. Ah oui, mais il était lubrique. Putain, mais en vrai, mes frères, ils sont tous fait buter. Lui, il s'est fait buter. Lors de la bataille par Lucion Westchamp, lui s'est fait tuer en bataille par Aaron Rogue. Putain, décidément, mes frères, ils sont tous morts à la guerre. C'est spécial. Hein. Oh putain, j'ai plus mon châtelain. Oh, c'était mon frère, mon châtelain. Oh non, oh, ça me met dans la merde. C'est bon, ok. Okay. On va juste faire un truc. On va voir si je peux pas marier une courtisane. Dans le but de récupérer peut-être un cas en martialité plus poussé. Voilà, 33, ça c'est parfait. On va récupérer ça. Et le Val est en train d'assiéger totalement nos ennemis. Donc, j'ai plus mon badge des 100 gifts sub à l'aide. Ah bah frérot, fallait bien que ça parte un jour. Hein. Voilà, on a un chevalier à 33, là c'est excellent. Ça change de Pokémon. Ah oui, bah ça change de Pokémon là. Hein. Plus stratégique, un peu plus posé, un peu moins foufou. Foufou. Mais c'est tout aussi bien. Vous allez voir. J'espère que vous vous plaisez quand même sur le stream. Parce que quand même, c'est quand même intéressant. Digne d'un successeur. Ah ah. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Okay. 78% actuellement. Oui. 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 On chope des secrets, les gars. On chope des secrets. Oh, c'est quoi son secret? Le fils de Doréen Royce Nimeos est de façon quasi certaine l'enfant illégitime de Lord Andro. Putain, mais il était vieux en plus. Mais d'où tu vas baiser un vieux? Oh la michto. Foufou. Alors ceux qui ont la rêve du foufou, de toute façon c'est des gouttes, hein les gars. Foufou. 1898 les gars. Les travaux de reconstruction de Castamir vont bientôt pouvoir se lancer. Et ça c'est bingueur. Ça c'est bingueur. Moi je vous le dis, ça c'est bingueur. Vous savez pas mais vous allez déjà bander. Oh putain, il y a double bataille là. Waouh, waouh. Thailand Reign, donc mon fils premier devient l'écuyer de Lord Eston. Ah bah oui, 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 devient son écuyer. Vas-y, apprends le métier de. Apprends le lard noble de la chevalerie. S'il te plaît. Et ne finis pas comme ton oncle qui a baisé jusqu'à en mourir. Non, c'est pas ça. Truc horrible. 100%. Et voilà, duché récupéré, nouveau. Allié. On vient de récupérer quand même toute cette zone là hein. C'est énorme. Et sec évidemment. Par contre ouais du coup oh, putain la vache, Lady Lana elle vient de stonk sa grosse daronne. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Tu peux rétablir les distinctions. Ah merde, j'ai des distinctions qui sont parties. J'ai des distinctions qui sont parties. En train de me dire ça. Ah moi on est en train de me dire que les distinctions sont parties. Non d'accord, il y en a pas. Pourquoi pas? Pourquoi ça m'a dit ça du coup? Pourquoi on a ouvert la gueule pour dire de la merde? Pourquoi on ouvre la gueule pour dire de la merde? Détruire. Hop, dégage. Va falloir attendre, hein, parce que... Oh oui, alors là... Vas-y, mets-moi ça. 88. Les enfants ont besoin de tuteurs. Mon fils est héritier. Il a plus de tuteur? Merde. J'ai un peu tête de troller, les gars, parce que je sais pas, ça fait combien de temps que mon fils n'a plus de tuteur, mais ça se trouve, du coup, il va rater son année. Son année, t'as l'impression qu'il est à l'école. Il va rater son année, les gars. Mais il va rater son truc. Oh. Allez, hop, que mon meilleur chevalier gagne. Hein. Il est bon. Ah, mais du coup, j'ai pu... Non, l'erreur. En gros, pour vous expliquer, il y a deux mecs qui se sont battus. J'ai fait que mon meilleur chevalier gagne. Et le mec que je venais de recruter, qui avait 33 en martialité, qui était trop fort, il vient de mourir comme un con. Oh, l'erreur. Bon, on va passer à 31, du coup, c'est déjà pas mal.
Ah, le sgeg ultime, c'est chaud. Waouh, y a que moi pour faire ces conneries. Alors, tu vas du coup améliorer les commandants, parce que là, c'est important, pardon. Et du coup, faut remettre un tuteur à mon fils, parce qu'il en a pu. Je peux pas. Mon fils est en train de voyager, putain. Quel con. Lady Lana, je vais... je vais te demander 2 gold, c'est pas ça qui va faire chier, de toute façon. Alliance potentielle. Oh, 2000. Ah, c'est avec mon frère. Mon neveu. Non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Non, ma femme... Oh, allez, tu sais quoi? Ma femme, elle va devenir guerrière, les gars. Elle va devenir chevalier, ma femme. Ma femme est chevalier. Oh non, le fiston a raté son BTS. Il va finir le streamer. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. T'es vraiment une petite salope. Gros chien, va. Big dog. Pourquoi je peux pas l'éduquer? Oh, il est brave. Oh, c'est très bien ça, il est brave. Oh, ça c'est excellent. Ça va ramener en avance le gourmand. Ok. Par contre, du coup, il peut plus être éduqué. J'ai encore fait bugger mes enfants. J'ai encore fait bugger mes enfants. Ça fait la deuxième fois de suite. 2 générations de merde. Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Comment être aussi corrompu? Éducation de merde. On se fait traiter de big dog, c'est pire que se faire traiter de FDP. Par contre, on va pouvoir faire un truc là. Castamir. Il me manque encore des sous. Il me manque encore des sous. Allez, 62 les gars. On y croit. Est-ce qu'on ferait pas un petit truc pour baisser un peu de. Pour baisser un peu le stress? Parce que là, je suis très stressé comme monsieur. On va faire un festin avec tout le monde, ça va me faire un peu ramener en arrière au niveau de l'argent, mais c'est important. Parce que tout simplement, en fait, on va pouvoir déjà augmenter notre amitié avec tout le monde. Et surtout se détendre, parce qu'on est stressé du cul, mais vénère. Donc si on peut déstresser notre derch, ça peut être pas mal. Alors, on vient de prendre un point d'intendance. Hein. Loyauté, puissant complot, nanana, contribution des levées de vassaux, plus 20%, ça c'est bien ça. C'est bien, j'aurai plus de soldats, let's go. Quoi? Les réalisations du Lord Arwin sont telles que le Grand Septon a reconnu officiellement son rôle déterminant dans la défense et la diffusion des foies de la foi des sept. Oh, incroyable, la dynastie Arwin restera longtemps dans les mémoires pour sa piété et son zèle grâce à la conduite impeccable de ce grand homme. Oh, c'est beau les Arwin. Bon, au moins, ils seront pas excommuniés comme mon autre soldat que j'avais là. Lui, Lucio, il s'était fait niquer comme une merde. Alors, on va faire un truc surtout. On va se faire actuellement. Parce qu'actuellement, si on se souvient bien, elle n'a pas Castral Rock. Elle a que les titres au-dessus. Ah si, elle a Castral Rock. Oh la connasse. Elle a quoi? Elle a la colline de Facétieuse. Et bah vous savez quoi? Parce que comme on doit détruire les Lannister, hein, parce que pour vous rappel, nos buts c'est de ramener la famille Rain à la vie, on l'a fait. Reconstruire totalement Castral Rock, on est en train de le faire. Devenir potentiellement seigneur des terres de l'Ouest, ça on s'en fout, mais c'est bonus. Et amener les Lannister à ne contrôler qu'un comté. Donc là, on va lui piquer son comté, comme ça il va s'en niquer. Introducing first the new world heavyweight streamer, The Ragvos. Exactement. Exactement, Annie-chan. Fait plaisir de te voir, mec. Ça fait plaisir. Bon, on est en train de remonter. On a combien de soldats max? 6007. Oui, c'est pas mal. C'est mieux. T'as raté la fin. Oui, c'est Zorak. Vous pouvez rester comme ça. Non, pourquoi je paierais ce trou de balle? Je m'en fous. Eh hey, bonjour, payez 20 balles pour ce trou de balle. C'est qui? Je ne sais pas. Ben voilà, je m'en fous. Ah, c'est bon, je peux rééduquer mon fils. Let's go. 31, vas-y, hop, tiens. Éduque-le. Éduque mon fils. Et meurs pas, s'il te plaît. Ok, là on va pouvoir faire le festin, let's go. Ça m'a aidé à déstresser un max. Ok. Oui. Réduction du stress de 125, ça c'est parfait. On n'a plus de stress. Je dépense 150, je gagne courtoisie supérieure, pourquoi pas. 155. Non, je m'en passe et je gagne des golds. Non, ici, c'est tout l'argent. Sur de faire comprendre le ton d'une phrase à l'écrit. Ouais, c'est vrai. Secret dévoilé. Ah bah d'accord, il y a des secrets qui ont été dévoilés. Bah d'accord, pourquoi pas. Alors, mon fils, c'est mon deuxième fils. Hein, sans cœur.
arrogant, compatissant. Sans cœur, c'est bien. Sans cœur, il se fera pas niquer par les petits trucs de merde. Ok, ça a été un très bon festin, ça c'est cool. Il nous faut encore 16 gold. Lady Lana veut un poste au conseil. Mais tu pues la merde, Lady Lana. Désolé, hein, mais vous êtes mauvaise. Il y a un tournoi chez qui? Lord Desmond. Ah putain, c'est lui, incroyable. Desmond Miles. Non, je déconne, on n'est pas dans Assassin's Creed. On va remettre en play. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui est mort et j'ai gagné 10 magnificences de la cour. J'ai pas envie de chercher à comprendre pourquoi. Quelqu'un est mort. Votre conseil est encore mieux. Oh merde, putain, chier. Oh, mon maître espion qui était trop fort. Putain de merde. Il va falloir que je cherche éventuellement. 35, ça c'est parfait ça. Viens ici toi. Voilà, on a un nouveau maître espion. Hop, 35, c'est excellent. Tu vas me trouver tous les secrets que tu veux. Et surtout que tu peux, hein, parce que ça serait bien. Lord Valar veut bien faire une alliance avec moi. Bah vas-y, hop, ça fait un allié toujours de plus. Allez, il me manque 2 gold les gens. 2 gold, 2 gold, 2 gold. C'est sexy, les marcheurs blancs ou toujours pas? Non, toujours pas, mais je crois pas qu'ils ont été encore implémentés dans le jeu, les gars. Quoi? Attendez. What? Attendez, attendez, je devais... Quoi? À un château... À une château, type de propriété. Faut que je fasse les autres trucs avant. Ah putain, je crois qu'il faut que je finisse ces trucs. Attendez, quoi? Attends, je comprends pas. À une château, type de propriété. Désormais nettoyé et restauré, les mines de Castamir sont à nouveau... Sur l'avant-dernière marche, juste derrière Castral Rock. Les grandes salles s'étendent profondément sous la mer. C'est quoi, il me faut une propriété château? Mais j'en ai une. Cité château propriété, bah voilà, on en a une. Ou il faut que j'en contrôle une? Un truc où il y a marqué ruine. Ah genre faut que j'augmente ça? Ah putain de merde. Bah écoutez... J'ai rien dit, malheureusement je pensais qu'on allait pouvoir faire tout ça, mais pas encore, va falloir attendre beaucoup d'années, le temps qu'on finisse ces constructions. Ça m'emmerde autant que vous. Non, quelque chose, hein? Bah alors où? Je comprends ce que tu dis, Panétide. Non, ça non plus, ça s'améliore pas, hein. Ce lieu est en ruine, hein. Ça non plus, ça s'améliore pas, les gars. À un château, type de propriété. Mais je peux pas le changer, ça, en fait. Je pense qu'en fait, il faut que je reconstruise tout ça pour que ça change automatiquement. Ruine en haut des constructions. Oui, mais ça se change pas. Je crois qu'il faut que je reconstruise tout. Ouais, c'est ça, en fait, faut que je reconstruise tout et en fait, il va changer le truc. Ça, ça fait chier parce que du coup, on a perdu des années. Bon, c'est pas grave. Je me suis chié dans la colle, c'est encore un fail, hein, comme d'hab, hein, c'est pas nouveau. Pour rien, quand il parle, je vous ferai la traduction à le bâtard. Le bâtard. Mais si, j'ai compris ce que t'as dit, hein. J'ai compris. Oh putain, il y a encore des secrets, putain, bah, décidément. C'est quoi? What? Oh la vache, Glaive, il a bien grossi, hein. Pardon, hein. Pas genre, c'est pas méchant, mais il a grossi de ouf le cochon. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Alzheimer. Merde, j'ai oublié, c'est pas grave. Bon, ça m'emmerde, si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Oh putain, quel con. J'aurais dû le faire plus tôt, les gars. J'aurais dû le faire plus tôt. Resalut Kirby! J'en ai des constructions à droite. Il y a un truc avec un nombre de levées et d'or. Oui. À quand un live sans ta barbe? Jamais, parce que je me suis déjà rasé, ça m'emmerde. Et après, c'est le bordel.
Petit donjon. Oui, mais non, mais ça sert à rien parce qu'on les a déjà, ça. Hein. Tout ça, on a déjà château, château, château. Voilà, donc ça. Non, faut juste quoi que j'améliore. Donc vraiment, je me suis niqué. Je me suis niqué. Et rentrer dans le mouvement du body positive. Ah, c'est pour ça. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Hein, il fait ce qu'il veut. Hein. Au niveau des territoires, on est comment? On est d'accord que je peux toujours pas revendiquer le titre. Hein. C'est que c'est pas loin le chat. Hein. En vrai, c'est pas loin du tout. Au niveau des territoires, je contrôle combien à peu près? Franchement, je suis pas loin de contrer 51%, les gars. Or, des dragons en régiment spécial. Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. J'aimerais bien, hein, mais je suis pas sûr. Créer la faction du prétendant. Ah oui, je peux pas me mettre dessus parce que j'ai pas de prétention. Déclarer la guerre. Vos revendications. Seigneurie de Sandremark. Putain, Sandremark, c'est. Ah oui, bah je peux attaquer ça déjà. Alors je vais continuer de taper le beau barbu. Oh, merci. On repart à la guerre. Direction Sandremark. Oh merde, putain, attendez, attendez, j'ai pas appelé mes alliés, what the fuck. On va appeler. Eux, ils ont pas de guerre, parfait. C'est quoi comme jeu? Je connais pas du tout. Tout simplement, c'est Crusader King 3, c'est un jeu de stratégie médiéval. Et là, on est dans un mode total conversion au Game of Thrones, donc on est dans l'univers de Game of Thrones, tout simplement. Vive la guerre, évidemment! Vive la guerre, à l'attaque, à l'assaut, détruis-moi et moi tous ces gueux! Je suis arrivé, monsieur Vicaire. De vous rendre un hommage. Oui, oh oui, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de la fame, donnez-moi de la fame, madame. Vous les attaquez pour la gloire, mais pas tout seul par contre. À l'aide, c'est ça. On a besoin d'aide. Kenobi. Il y a quelqu'un qui a gueulé Gérald Kenobi, donc j'étais obligé de faire la voix de. Alors on va les ken. Vite, 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 vite. Putain, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Continue à chercher des secrets. Putain, viens ici, salaud. Chopez-moi ce gueux! Chopez-moi ces gueux! Chopez-moi, chopez-moi! À revers! Putain, il a réussi à nous échapper, le bâtard! Ah, le chien de la casse! Bon, chope-le! Brûlez les femmes et les maisons! Exactement! Brûlez tout! Les femmes, les maisons! Putain, mais tout. Mais décidément, tous mes gars sont en train de crever, ça me casse les couilles! Amiral! Votre intendant! Non, bah lui alors! Hop, voilà! Ah, putain, mais lui, il revient toujours à un moment, c'est chaud! Loki fait partie des 3 meilleurs personnages du MCU ever. Oui, totalement. Tellement bien écrit, incroyable. Ça te comprendre tes rois où il y a l'empereur de Westeros. Oui. En fait, en gros, comme on l'avait, y avait eu il y a quelques temps, les Westerlands, tout simplement les terres de l'Ouest, ont décidé de se mettre en indépendance du trône de fer avec le fils Gaillard. Hein. D'ailleurs, comme le Bois Doré et les Tarly, d'ailleurs, les Rowan et les Tarly. Et tout simplement, eux, du coup, ils sont empereurs des terres de l'Ouest. Et moi, je suis roi dans l'Empire. Et évidemment, on va essayer de les niquer parce que voilà quoi. On va essayer d'usurper leur titre. Sur leur propre empire. Exactement. Et quand on aura 51% du territoire, on pourra les niquer. Ce qui est bientôt en soi. Hein, parce que là, le territoire, il augmente vachement. Et on a récupéré encore du. Ok, on peut faire chanter cette dame. Elle a pas mal d'argent. Ce qui est cool. Et elle veut bien me donner du fric. Allez, donne-moi des sous. Hop. Hop. 45, let's go. On est à 1008, c'est pas mal, on remonte bien. Et après, tu rejoins Westeros. Ouais, je pense que je rejoindrai Westeros au final, ouais, derrière. Ce sera mon but. On les bat et ensuite on rejoint Westeros de ouf. L'Empire contre-attaque, exactement. Beaucoup d'alliances qui sont en train de s'arrêter, malheureusement. Krakeno l'a repoulé. Quoi? Il a osé rompre les fiançailles de ma. Oh, elle est trop mignonne, ma fille! Oh, ma petite fille, regardez comment elle est mignonne, ma fille! Il a osé rompre les fiançailles avec cette fille de ouf. Oh, attendez, attendez le chat. Attendez le chat, parce que là, il y a une dinguerie qui est en train de se passer. Là, actuellement, ma fille vient de rompre ses fiançailles. C'est rompre ses fiançailles. Elle peut actuellement se marier au fils du roi des sept couronnes.
des 6 couronnes maintenant. Donc au fils des Baratheon. Sachant que je peux la marier en matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants de ce mariage seront de ma famille et pas de la famille du roi Gaillard, Galar. Donc en vrai, si on gère bien, il y a peut-être même moyen de récupérer le trône de fer pour la famille. C'est le deuxième. Les gars, il y a juste à assassiner ce mec et je récupère le trône des 7 couronnes dans ma famille. J'assassine ce mec et ma famille est sur le trône des 7 couronnes, les gars. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh bah alors là, on fait direct ça, le chat. Hein. Je suis désolé, mais on fait direct ça. Hein. Oh, je continue de regarder ton stream alors que il y a les deux madames qui veulent parler business. Ah bah écoute, bah vas-y, mec, hein, fais-toi plaisir. Oh, mais il y a tellement moyen. Il y a tellement moyen. Surtout qu'en plus, les gens ils veulent l'assassiner. Oh, let's go! Let's go! Oh let's go les gars, c'était pas prévu. Mais si on peut le faire, on va pas s'en priver. Je vous le dis moi, on va pas s'en priver putain. On va pas s'en fucking priver. Oh ça serait dinguerie si on arrive à faire ça. On pourrait pas faire mieux, si on y arrive on peut pas faire mieux. Genre ce serait le priceless moment. Je peux inviter personne malheureusement. Et dit ma femme est encore enceinte, bah décidément. C'est une case 90% toujours. Je ne peux pas inviter de nouvelles personnes. Ok. On a gagné la guerre, ça c'est cool. Nouveau territoire gagné pour ma faction. Ça c'est cool. Et surtout, c'est directement un territoire pour moi. Donc je vais récupérer l'argent direct qui va être insanement OP. Et je pense qu'on va mettre peut-être un vignoble pour gagner de l'opinion populaire surtout et gagner 1,3 de plus d'argent sur cette terre. Est-ce qu'il y a peut-être un truc qui donne un peu plus? 0,4 plus 15% d'impôt des propriétés. Ça pourrait être intéressant en vrai. Plus 15%, quoique il n'y a pas beaucoup de propriétés qui donnent de l'argent. Donc non, ce sera pas intéressant. Donc on va mettre le vignoble. Le vignoble va coûter cher et je ne peux pas. Parce que je ne suis pas la grande seigneur. Ah putain, mais oui, ils sont encore ducs, merde. On a gagné la guerre et le trône des 7 couronnes. On n'a pas encore fini les gars. Tu as oublié ton armure pour le cosplay. Ah frérot, ça coûte cher les armures, hein, si seulement. 13-15, il est nul. 13-15, il est nul, ok. Là on est pas mal, là on est pas mal. Là actuellement ce qui est en train de se passer c'est vraiment pas dégueu. Mais vraiment pas. Hein. Bon allez go business, en plus c'est le dernier soir où je peux le faire. Ah bah oui, bah, frérot, amuse-toi bien. Hein. Amuse-toi bien putain, amuse-toi bien. Bah, toujours pas 50%, 51% des territoires, ça on est d'accord. Est-ce que je peux pas récupérer du coup un territoire qui serait dans ma zone? Lord Desmond, des Caswell, qui se trouve pas là où je veux. Lord Clifford, non encore une fois c'est que des territoires dans tout simplement le... Comment ça s'appelle déjà cette zone? Le bif, voilà. Et le bif ça ne m'intéresse pas parce que moi je veux juste récupérer les terres de l'ouest. On a encore pas mal de territoires à récupérer quand même. Hein. Encore pas mal de territoires à récupérer. Mais je pense que d'ici 2-3 territoires, on pourrait faire des trucs pas trop dégueu. Est-ce qu'on peut éventuellement déclarer une guerre? Pourquoi pas? Ok, on a un nouveau chevalier. Let's go. Non, on n'a plus de guerre disponible. Ah, you get what you can get. Exactement. Et là, sur... ah si, on va pouvoir déclarer une nouvelle guerre, les gars. Parce que là, on va tout simplement récupérer. Voilà, les revendications sur un territoire. Territoire qui est... ma foi, pas du tout exploité, donc on le redonnera à quelqu'un derrière, mais ça fera un territoire quand même. Qu'on peut récupérer sous une guerre où elle n'a pas d'alliés, donc on va pouvoir faire la guerre tout seul. J'ai 178 000 soldats en alliés avec mes alliés, c'est insanement beaucoup. Mais ça, c'est voilà, ce que connaît Eva Lord. Ça me dit quelque chose, mais je vois plus du tout ce que c'est. Je suis désolé, le chat. Ok, on va pas appeler d'alliés à la guerre, il y a aucun fucking intérêt sur celui-là. Si, on va appeler un allié proche quand même. Pour aller s'occuper d'elle. Genre, le saint. Vas-y, va t'en occuper parce que sinon elle va me faire chier. D'accord qu'elle ne s'occupe pas des armées, je crois. Bientôt pardonner, tyrannie mensuelle, moins 20... c'est mon domaine, extorquer les sujets. Revenu en temps de guerre plus 10%, ça c'est cool. J'ai aussi regardé, mais je connais zéro à Game of Thrones. Eh bah écoute, Annie-chan,
tu en apprendras peut-être davantage avec moi. 2 mois, 8 mois. Ouais, faut les ken. Faut absolument les ken. On va aller choper. Je ne sais pas si j'arriverai en moins de 2 mois. Normalement, ça va le faire. On espère. Faudra que je crée plus d'armées. Hein. Quand j'aurai fini de reconstruire Castamir, faudra qu'on fasse plus d'armées. Hein, parce que ça, c'est vraiment un problème qu'on a. Pareil, on va pas assez vite. Ah, regardez, là, on va les choper par contre. Parce qu'on a réussi à les ken. Ça, c'est parfait. Alors là. Et j'ai un nouveau fils. Putain, mais décidément, j'ai combien de gosses, bordel de merde. Ouah, ma femme et moi, on ken. Hein. C'est chaud. Hein. Ah non, je ne veux pas tenter de perdre des sous. J'étais obligé. Demande à duel judiciaire. Décliné. Rien à foutre de ton duel judiciaire, connasse. De judiciaire, tu peux te foutre là où je pense. Let's go. Plus de prestige. Ça, c'est parfait. Quoi, une série coop sur le mode WoW. Bah, en vrai, quand t'auras un micro, mec. Parce que franchement, ton micro, c'est horrible. Hein. On t'entend pas. Ok, pendant ce temps-là, on va peut-être lancer le commencement de la récupération d'un nouveau titre. Quoique, je ne suis pas sûr. 24 000. Putain, ils ont pas d'alliés, hein, c'est chaud. Hein. Et vraiment, les Lannister, c'est vraiment la dèche en ce moment. Hein. Okay, c'est pas elle qui dirige les armées, donc elle doit être tout simplement sur sa capitale. Donc si j'assiège la capitale, c'est gagné. Les gens, ça marchait. Ça marchait. On l'a tué. Leur fils. Les gars, c'est bon. Leur fils, l'héritier, c'est officiellement Terence Baratheon. Marié à ma fille. Ah non, c'est pas elle. C'est pas lui. Je l'ai marié avec qui? What? Merde. Je l'ai marié avec un Baratheon random. Je l'ai marié avec un Baratheon random. Oh le con, je l'ai marié avec un marathon random, c'est pas le bon. Ah le fail. Le skeg. Oh c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, on enchaîne les fails là aujourd'hui. Ah je suis désolé le chat. Oh, il y avait tellement moyen d'aller faire un truc de ouf. Je me disais aussi le matrilinéaire aussi facilement, ça m'étonnait. Est-ce qu'on peut développer des nouvelles technologies dans le jeu pour avoir un certain avantage sur tes adversaires? Oui, tout à fait. Tu les as ici. Tout simplement des technologies avec le métallurgisme, etc. Les innovations, tout simplement, qui se débloquent, qui permettent d'avoir des nouveaux bonus. Ou alors, si tu fais des bâtiments qui augmentent des stats, derrière, quand tes unités seront mises dessus, bah, elles seront plus efficaces. D'ailleurs, on va augmenter nos régiments d'armes parce qu'on a besoin de plus de soldats. Ah, ça me coûtait plus cher à maintenir, mais ça va être beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus puissant, surtout. Ça sent la loose. Non, on va gagner, c'est pas le problème, c'est juste le plan, il est un peu... Voilà, le plan est un peu niqué, c'est pas grave. Un micro et de la place. Ah bah frérot, ça le truc, hein. Ça c'est quoi? C'est mon deuxième fils? C'est mon deuxième fils. Okay. Et pourquoi mon premier fils, je peux pas choisir C13, quoi cette connerie? Oh, il a généreux, c'est de la merde. Oh là 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 là. Il est dégueulasse, mon fils. Il est nul à chier. Oh, ça va être un carnage de le jouer plus tard. Putain. Ah, quand tu dis ça sent la louche, je pense que t'avais capté en fait que mon fils il pue la merde. Merci à toi pour l'information. Je te remercie grandement. Mais pas de soucis. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je suis fait pour ça et je suis là pour ça. Ok, ma fille n'est plus maladive. Let's go. Ça, c'est un bon point. Par contre, tu peux venir faire le siège avec moi, connard. Merci. Bon, on va t'appeler si tu veux, hein, mais... Ça change rien, hein, mais viens m'aider quand même. Ok. J'ai envie, en fait, de tenter deux choses. J'ai envie de tenter de choper Castral Rock, parce que derrière... Après, le problème, c'est que je ferai deux guerres contre la Lannister, quoi. Ça m'arrange pas. Il y a d'autres fins dans le jeu où c'est infini. En fait, c'est censé être infini, mais moi, en gros, je me suis mis des objectifs pour avoir une fin. Mais en soi, chaque, entre guillemets, scénario, il y a plein de scénarios différents. Et chaque, entre guillemets, scénario a, entre guillemets, son petit scénario préfait par le mode qui t'amène à faire quelque chose. Ah, mon fils ne veut plus se marier. Let's go. Il veut pas se marier avec la femme que je lui propose. Il me casse les couilles, mon fils. Hein. C'est vraiment une salope. Hein. Je déteste mon fils, voilà. Si ça continue, je vais le déshériter, mais d'une force, les gars. Ça va être insane.
Putain de merde. Il y avait des traits héréditaires, bouffon, là. Il a quel âge, ce con? Il a 15 ans. Tu vas te marier avec elle, hein, les Malister, hein. Il y aura le très beau, très congénital, c'est déjà mieux que rien. Est-ce que le jeu est sur Steam? Oui, le jeu est totalement sur Steam, les gars. Totalement. Après, vous pouvez l'acheter pour moins cher si vous allez sur Instant Gaming et que vous utilisez mon lien en plus. Ça, ça me permet d'avoir gagné un petit peu de sous-sous. Mais vous pouvez l'avoir aussi pour moins cher. Faction formée contre vous. Ah! Pourquoi? D'accord, donc tu fais une faction contre moi parce que la vie te fait plaisir, quoi. D'accord, ok. Si ton fils gagne assez de combats, il peut évoluer et devenir de type acier combat. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'apprécie la vanne, elle est pas mal. Allez hop, normalement la guerre va être terminée, on contrôle le poste. Voilà, ils ont plus d'armée, ils ont plus rien, genre vraiment c'est la dèche, 131 soldats, c'est gagné. Hein. Voilà. Voilà, c'est gagné. On disperse et on va donner ce territoire parce qu'il me sert à rien actuellement. On va l'accorder à mon chancelier. Tiens, mon chancelier, je l'aime bien. Il est cool. Donc, je vais lui donner. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Oh, l'argent. Let's go. Ah, mais elle a pas l'argent pour les rançonner. Salut, mon cordial. Je ne peux plus supporter cet emprisonnement. Oui, bah, écoute, vas-y. Libère-toi pour 30 gold. Moi, ça me dérange pas. Tant que vous payez, vous pouvez être libre. La liberté au prix de l'argent. Walgram, tu peux râler, j'en ai rien à branler. Accorder une audience, oui, les gueux veulent me parler. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gueux? Ah, je suis désolé, je peux pas. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore cette connerie? Ok, vas-y, hop. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on a géré les affaires du peuple, du bas peuple là. On peut avoir jusqu'à 7700 soldats, ça c'est énorme. On est en train de monter les troupes. Nos unités d'armes sont en train de se payer, ça c'est cool. En vrai les gars, il y a un truc que j'ai envie de vous dire. C'est un petit truc comme ça qui m'est arrivé tout à l'heure, je sais pas ce que vous en pensez. J'étais en train de me dire, vas-y, qu'est-ce que je vais faire après streamer aujourd'hui. Et en vrai, j'ai envie de me faire, en fait, de me commander des pizzas et de me mater les Harry Potter, genre 1, 2, 3, une chose comme ça, ou quelques Harry Potter. Je sais pas, j'ai trop envie de me mater Harry Potter en ce moment. J'ai envie de me retaper la vibe des vieux films et tout, c'était tellement bien. Je sais pas, j'ai envie de me faire ça en vrai. C'est mon petit kiff, voilà, bon, je vous dis ça comme ça. C'est... Voilà, je sais pas, j'ai envie de me faire ça. Je me présente à Nietzsche, noble local, afin de devenir votre pro et fidèle chevalier. S'agenouille dans une révérence. Oh, magnifique! Magnifique. Ah, mais il avait pas de territoire, lui! Oh, mais Lancer, mais avec plaisir, je te le donne, mon gars! T'es mon queumé! On est beaucoup moins que tout à l'heure, trahison. Mais c'est pas grave! Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure pendant le live Pokémon. Il y a des gens qui sont déter pour venir, il y a des gens qui sont un peu moins, etc. En fonction de ce qu'on fait, etc. Mais c'est pas grave! En tout cas, je suis là comme premier. Merci Kirby King. Ça, c'est les GOATs. On change de jeu. C'est peut-être pas leur tasse de thé. Ils comprennent peut-être rien. Peut-être qu'ils n'aiment peut-être même pas le jeu. Mais ils sont là pour le streamer. Et ça, ça fait bander, quoi. Ça fait bander. C'est beau. Je vais te chialer, là. Allez, payez. Payez, madame. Payez, mesdames. Payez l'argent. Ouh, il y a des gens qui sont morts, là. Oui, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont fucking morts. Construction toujours en cours dans 4 ans, ça va, ça avance. Est-ce qu'on ferait pas des nouvelles constructions dans notre capitale pour gagner encore plus de housse? 0,2, on peut augmenter de 2, de 0,1, on peut augmenter de 0,1, on peut augmenter de 0,2, on peut augmenter de 0,1, on peut augmenter de 0,1. Je crois que j'étais en train d'améliorer à Pendrick les bâtiments. Oh, alors ça, oui. Moi, je suis toujours là, oh, je comprends rien, mais ça a l'air bien comme jeu. C'est exactement ça. On est quand même GOAT si on est là pour trash talk le streamer. Oui. Oh. Et c'est... Attendez, faut que je fasse le truc, les gars. Faut que je le fasse. Elle est où? Elle est où cette bouffonne?
Faut remonter loin. Putain, faut remonter loin. Waouh, elle est où cette conne? Là, elle est là. Et c'est à l'âge vénérable de 69 ans que la reine Myriel Bouffonne Connasse est décédée. Après s'être mariée en mariage patrilinéaire au à roi Edwin des Terres de l'Ouest, leur enfant, roi Runcel, la mauvaise pomme de Fossevoix, est maintenant empereur des Terres de l'Ouest. Et c'est ainsi que les Lannister terminèrent leur hégémonie sur les Terres de l'Ouest parce qu'ils ne savaient pas bouquer leur fille. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont nuls à chier. C'est-à-dire que là, un de mes objectifs principaux, si vous vous souvenez bien dans votre petite tête, c'est que les Lannister ne devaient contrôler que des comtés minimum. Et actuellement, les Lannister ne contrôlent dans tout le monde entier que deux choses. Que trois choses, pardon. Lannisport, Port-Lannis, les terres de Lonmont et le duché de Castlerock. Si on récupère ces choses-là, on aura réussi notre deuxième objectif qui est d'amener les Lannister six pieds sous terre et de détruire leur dynastie. Et ça... Ça, c'est dinguerie. Ah, ça me fait bander, là, les gens, là. Je bande. Alors, tout de suite, je vais demander à mon mec du clergé de me créer un claim sur Lannisport. Comme ça, on pourra déclarer la guerre à eux. Ils sont en allié avec 1800, c'est pas énorme. Lannisport, qui est une place très fortement, tout simplement, demandée. Ensuite, on récupérera, tout simplement, le duché de Castlerock, car je crois qu'on peut l'usurper, si je dis pas de merde, pour pas grand-chose, le titre... usurpé, il me faut 4 comtés. Donc on récupérera celui-là et le Lonmont et on en récupérera un autre, celui de Castlerock, pour créer le duché de Castlerock plus tard. Ça, c'est de l'acharnement. Non, c'est de la vengeance après qu'ils aient essayé de nous détruire pendant, énormément d'années et qu'ils nous ont tout simplement détruits. C'est à nous de nous venger et de reprendre le pouvoir. Les terres de l'Ouest n'ont besoin que d'un seul lion, et ce lion ne sera pas d'or, mais de sang. Et oui, car les règnes sont longs et tranchants, et que leur vengeance sera terrible. Et on m'invite au conseil, ok, let's go. Et on me met au conseil au niveau de l'intendance, ce qui est actuellement parfait, car on vient de récupérer 4 gold supplémentaires par mois. Et il y a un mécontentement au niveau... de l'armée, on veut baisser tout simplement. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut déclarer peut-être une nouvelle guerre? Non, toujours pas. Toujours pas de nouvelle guerre. Lady Jaenera Grand Tournoi. Non, ok, on va pas faire ça. Est-ce qu'on peut potentiellement avoir des hameçons qui pourraient nous faire de l'argent? Non, on a personne qui a de l'argent actuellement et qu'on peut rançonner. Ah, si, toi, je peux te faire chanter, quoi. Dame Jaina, exactement. On a 1400 gold, ça monte très très vite. C'est très très bon, ça. Et ça fait zizir. Hameçon obtenu, ok. Ça, c'est fait. On peut exiger des paiements, 35 gold et 12 gold. Au lieu de 20, c'est pas grave, ça fait de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Commandant promu, mon maître d'armes Durand me présente presque à regret mon invité Walder. La maîtresse Lenora m'a demandé de faire honneur à Walder de le nommer commandant. Oh, j'en ai rien à foutre. Alors là, je m'en tamponne le gland, frère, de ton truc. Hein. Et Centreval n'est plus de notre famille. Ah merde, on a perdu Centreval. C'est un peu con, ça. Ah non, on a récupéré Tremble et elle a récupéré Centreval. Elle a récupéré un claim dessus, ok. J'ai 40 ans, ok, on n'est pas trop mal. Mon fils, comment il évolue? C'est pas dingo, mon fils. J'espère qu'il aura des très bonnes techniques, parce que la martialité, c'est ce qu'on veut. J'espère qu'il sera très bon en martialité, sinon ça va être chiant. Il perd 2 en intendance, parce qu'il est gourmand, c'est pas du tout ce que je voulais. 5 en intendance, c'est dégueulasse. Ça mange pas. Ah, nouveau point d'intendance, let's go. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Bientôt pardonné, troupe craintive, respect, dirigeant républicain, on va mettre ça. La République, c'est moi! Payez rançon, vous payez, sort de prison, je m'en branle, je ne sais pas qui c'est, elle ne fait pas partie de ma famille, je m'en fous. Il y a une guerre actuellement de territoire interne, je crois, entre le Corval et le Lysholm, guerre de libération, carrément. On veut que les Corval ne soient plus les ducs, c'est un peu triste, ça me fait perdre des sous, ça. Ça m'arrange pas. Bon, c'est pas grave.
Actuellement, le claim est en train de se faire. J'aurais bien aimé avoir peut-être un claim ou une guerre potentiellement pour quelqu'un qui aurait un claim sur le territoire, mais malheureusement, personne n'en a. C'est qui ? Mon fils pourrait choper le titre prince de la mode. Bah écoute, tu seras un prince de la mode, mon frère. Mon fils est un fin tacticien. Tier 3, c'est pas mal. Combattant expérimenté, ingénieur, c'est pas dégueu. On aurait pu avoir mieux, mais on aurait pu avoir pire. 15 en martialité, ça c'est de la merde par contre. 24 en pro, ouais, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Le seul problème c'est qu'il est lubrique, qu'il est gourmand surtout. Après, c'est pas des stats si dégueu que ça, mais c'est pas ouf. Après, on récupérera plus d'heures en diplomatie grâce à ce trait là. Avec un peu de chance, on pourra l'améliorer. Avoir Edouard dans ton écuyer, pourquoi pas, vas-y si tu veux. Former votre écuyer, allez, formez, je le forme. Voilà. Bon, fou de former un écuyer. Décevant, bah t'es nul. Il est nul. C'est un écuyer, mais il est nul. Ok, on améliore nos chevaliers. On va peut-être construire un nouveau régiment d'armes. Dans le but d'avoir peut-être plus de couverture d'unités. Ça pourrait être très intéressant. Ça se bat contre quoi, ça? C'est fort contre quoi? Qu'est-ce que c'est que ce que c'est fort? D'accord, ok. Les gars, on fait des chevaliers ou on fait de la piétaille? Moi, j'ai envie de faire des chevaliers en armure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, des cavaliers en armure. Oh, ils sont trop forts, ceux-là. Oh là là, 142. Je l'ai fait. Alors là, les gars, on va avoir les unités les plus puissantes de la zone, là. Vous êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On va les mettre là-dessus. À Sandremark. Oh putain, en plus, à Sandremark, il y a un milliard de trucs. Attends, c'est vrai que vous, je suis gourmand ou gourmet? Ah, les deux. Je suis gourmand et gourmet. Le pont la mer, encore une fois, je ne veux pas ce territoire. Il ne me sert à rien. Désolé, monsieur le Septon. Mais c'est un territoire qui ne fait pas partie, je crois, des prérogatives de Terre de l'Ouest. Donc, aucun intérêt pour ma part. Lewis deviendrait paresseux. Non, tu vas devenir gourmand à la limite. C'est déjà mieux que paresseux, parce que paresseux, c'est de la merde. La route de l'or. Les gens voisins gagnent la guerre. Ok. Oh, putain, 104 000 soldats quand même. C'est pas dégueu, les Baratheons. D'accord que les Lannister ont 63 membres vivants, mais aucun titre. Triste vie. Stratégie Goblin, on meurt vite, mais on revient vite, et pour pas cher, exactement. Vous pouvez nommer un successeur, alors à lui, non pas à lui, ça c'est ma femme. Ma femme qui est dans un truc guerrier, hein. Recrutée à la cour. Okay. Faut attendre un petit peu. Voilà. La recruter ça coûtait cher, mais c'est pas mal. Guerre déclarée. Il y a une guerre qui vient d'être déclarée. Mon liege est en guerre, quoi? C'est pas de mon territoire, ok, c'est pas mon territoire. Je me disais pourquoi, ok. Donc Lord Harris le coq se bat contre la guerre, dans la guerre contre la tyrannie du roi Runcel. Mais il est tout seul. 1600 soldats contre 19 000, c'est un peu con. Ça explique ton beau visage, joufflu, oh merci. Non, on en parle que là il vient de lancer une guerre de dissolution contre la tyrannie du roi. Donc je crois qu'il d'ailleurs va baisser, ouais, ça permet de baisser, ok. À 1700 contre 19 000. T'es pas un peu, on va dire, optimiste mon gars? Il est pas optimiste. Ok. Faut que je me dépêche parce que là ça coûte moins cher. Faut absolument que je monte à 51%. Faudrait que je fasse plus de guerre. Malheureusement, je ne sais pas à qui déclarer de guerre. Parce que je ne peux pas déclarer de guerre. Je n'ai pas de casus belli valide, même pour des alliés. Je n'ai aucun allié qui a des droits au territoire. Ce qui est un peu gênant. On est en train d'assiéger mes villes, pardon. D'accord, d'accord. On me chie dessus comme ça. D'accord, ok. Chie-moi dessus, on va rigoler. Chie-moi dessus, on va rigoler. Lord Lymond, c'est qui? C'était qui? Lord Lymond des collines facétieuses. Ah oh non, c'est le mec de Lancer. Non, le mec de Lancer est mort. Oh, c'est chiant ça. Il a pas le temps d'avoir une femme ce con. Votre nièce vassale et commandant. Bah tu sais quoi, je vais te donner le territoire. Je vais te donner le territoire des collines de Facétienne. Voilà. À ma nièce, qui est chevalière de son état, là, ultra forte, là. Trop forte. Votre fils, Lymon Reign. Il est mis en quoi? Putain, la tenue, elle lui va trop bien. BG, hein. Mon fils, c'est un BG. Hein. Mes fils sont beaux gosses, sauf celui que je vais jouer. Un peu triste, quand même. Est-ce que tout le monde est marié? Tout le monde n'est pas marié, ça, le problème. Parce que là, en fait, on va pouvoir... En fait, ce qui est intéressant avec les enfants dans ce jeu, c'est que c'est des alliances gratuites. Je crois qu'on est déjà en alliance avec... On n'était plus en alliance avec le bif. Bon, on va se remettre en alliance avec le bif. Comme ça, on récupère... Combien d'alliés? 20 000 alliés. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça.
la guerre au trône des six couronnes, exactement. Sur mon discours et tout public, tu vois, je suis capable de faire des... Et c'est et pour ça, je t'en remercie fortement, mon cher ami, ça fait plaisir. Quand vous faites comme ça des efforts, je ne peux que plus soyez le plaisir. Et je tiens à vous dire qu'on va bientôt partir en guerre pour votre plus grand plaisir à vous aussi, le chat. Parce qu'évidemment, une partie sans la guerre, c'est pas une vraie partie. Mais si en ligne je remporte la guerre contre le mec qui l'a attaqué, ça, c'était logique. On s'attendait pas à autre chose. Putain, on monte à 9800 soldats, ça c'est énorme. Et sec. Ça c'est énorme. Là en fait, vous savez, là ce qui nous manque juste, c'est récupérer assez de territoire pour directement attaquer les faux sauvants. Hein. Et on récupère le titre des dirigeants des îles de, des terres de l'Ouest. Hein. Il a quoi comme territoire par rapport à moi? Est-ce que j'ai 51%? J'ai pas 51%, je pense pas. Je vais vérifier en fait. Les terres de l'Ouest. Usurpées. J'ai 16 sur les 31 comtés requis. Je me retiens, mais pour toi, ça vaut le coup. Ah, merci, merci. C'est pas grave si tu fais une connerie de temps en temps. C'est pas dérangeant. Il faut pas que ça devienne non plus que ça, quoi. Ok, donc eux, ils sont en alliance avec les Lannisports. Ils sont en alliance avec la... Ah, c'était pas le bec d'or, c'était la dent d'or, ok. Pourtant, on a plus que 50. On est bientôt 51, là. Je regarde par rapport à la taille, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les champs. T'as pas un... On peut pas déclarer de guerre, c'est le problème. C'est dommage. En fait, on n'a pas assez de... Oh, je suis malade. Je ne suis plus malade. J'ai été malade 30 secondes, voilà. Efficacité. Genre, j'ai commencé à tousser du sang. Et deux secondes plus tard, j'avais plus rien. Voilà. J'ai juste... J'avais avalé de travers. J'avais avalé de travers. Lady Alara, hop, donne-moi les 80 gold. Merci. Ça, c'est trop cool quand t'as des trucs comme ça qui permettent de... Qui peuvent être remis à la sauce. Et eux, ils ont rien. Ok, ils sont nuls. Pourquoi pas. Est-ce que vous voulez pas avoir des casus belli sur des nouveaux ennemis là que je puisse déclarer des guerres un peu là? Parce que moi je vais récupérer du territoire. Le pays perdra les terres si Lady Lana sombre crête de Montargent meurt. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on perdra ces terres là? Pourtant le territoire est à nous, non? Il est dans notre. Il est dans notre. Dans notre truc. Pourquoi on perdra les terres? Bah, il est dans le duché de Fontune. Pourquoi on perdrait les terres? Ah, pour les étrangers? Peut-être. Son héritier. Putain, parce que son héritier, c'est un... Ok, c'est un déchant. Ok, c'est un léchant. Ok. Ça m'arrange pas, du coup. Ok, faudra voir ça quand ça ira. Oh putain, j'ai cru que c'était ma femme qui était morte. Non, c'est pas ma femme. Pff, mon dieu. Impôts du domaine. Oh, mais attends, mais on peut... Oh, mais oui, vu que je suis roi maintenant, je peux augmenter les impôts des domaines. Mais je suis vraiment le roi des... Con! Mais je suis le roi des cons! Je suis un roi, mais le roi des cons! Oh là là, OMG! OMG, il y a des bonus de bâtard qu'on peut avoir là. Attendez, est-ce qu'on peut pas avoir autre chose? Réduction des constructions de bâtiments, oui! Alors ça, oui, moins 20%. Alors ça, c'est parfait. Putain, mais il y avait des trucs que je pouvais faire de ouf. Je suis désolé, le chat, j'ai totalement zappé ces bonus. Ok, c'est bon. Alors là, on va envoyer du steakhouse. Et tu es roi quand même. Mais oui, t'as vu, je suis roi. Voilà. Et là maintenant, Castamir est actuellement en construction à 2 ans près. Ok, parfait. 2 ans près. Ouf. Il y a Euron Greyjoy qui est en train de faire du raiding. J'espère qu'il n'y a pas raid chez moi. D'habitude, on aime les raids sur Game of Thrones, Twitch, mais pas là. Géographiquement, il se passe où le jeu? J'essaye de voir où c'est, mais je sais vraiment pas. Alors, dans Game of Thrones, tu as donc les Stark qui sont dans les terres du Nord. Ça, tu connais. Terre du Nord, ça se passe en haut, là-bas, là-haut. On va faire ça comme ça, Terre du Nord. Ici, on a le bif, terre des, tout simplement, des Tyrell. Ici, on a le Conflant, les terres des Arryn, le Val, les terres du Val, tout simplement, des Arryn aussi. Quoi, le Conflant et le Val sont aux mêmes mains? D'accord, oui, j'avais oublié. Et en fait, tout ce qui est Port Réal, etc., c'est ici, dans les terres de la couronne. Donc actuellement, on est dans les terres des Lannister. Donc les terres des Lannister, ça se trouve, alors, des anciens Lannister, hein, parce que, mais dans l'histoire et dans la série, c'est dans les terres des Lannister. Maintenant, ça ne l'est plus. C'est les terres des faux sauvants, qui sont ici. Donc on est à l'ouest de Port Réal, en gros.
pour te dire géographiquement où est-ce qu'on se trouve. J'espère que ça t'aura, tu auras compris, que ça t'aura indiqué un petit peu, ça t'aura aidé un peu. Alors normalement, on va bientôt pouvoir partir en guerre, faction dissoute contre vous. Bah oui, parce qu'il y avait aucun, il y a rien à proposer. Ce qui est un peu chiant, c'est que mes alliés n'attaquent rien. Belle-Île, je crois qu'on pouvait avoir un territoire à une époque. On pouvait avoir... non, on peut pas. Pas lui demander de venir. On peut pas, ok. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Merci, parce que j'étais perdu. Merci. Mais y a pas de soucis, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. C'est vrai que, bon, les gens qui viennent pas forcément pour ce CK3 peuvent se perdre un peu. Mais derrière, bah, si je peux leur apprendre ou leur faire comprendre, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut conquérir toute la carte? Oui, techniquement, tu peux conquérir toute la carte. C'est pas le but de notre campagne là, on va pas faire ça, mais on peut le faire, techniquement. Envoyez la proposition. C'était sur mon cordial vassal. Cela me plairait beaucoup si vous pouviez personnellement faire l'éducation de Manissa Fossovoy. Bah, pourquoi pas, oui. Oui, le seigneur veut que je fasse, que je forme sa fille, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. L'esprit a façonné, excellent. Voilà. On a 1200 gold, c'est vraiment très très bon. Du coup, tu es roi, c'est ça? Alors, je suis entre guillemets, oui, j'ai un titre de roi dans les terres de l'Ouest, mais je suis pas non plus, techniquement, je suis pas le vrai roi des terres de l'Ouest, quoi. Les terres de l'Ouest, là, en fait, il me faut soit 51%, soit une revendication. Alors, tout simplement, qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Parce que là, il y a une dinguerie qui vient de se passer. Quand tu fais un casus belli, quand tu craftes un casus belli, alors qu'est-ce que c'est qu'un casus belli? Un casus belli, c'est, entre guillemets, un justificatif de guerre. Donc, c'est un justificatif que tu utilises pour donner le droit à une guerre. Tu peux décider de faire un casus belli, donc pour un territoire. Et des fois, ton mec qui gère les casus belli, s'il gère, il peut te dire... Est-ce que tu veux le territoire ou tu veux le territoire et tout le territoire qu'il y a dans la zone? Et donc, c'est ce qu'on va faire parce que là, on va récupérer toutes les terres de Castral Rock, ce qui est un énorme boost pour la guerre. Et là, les gars, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie parce que là, dès que les revendications sont terminées, parce que malheureusement, la trêve est terminée dans 3 ans, malheureusement, hein, on doit encore attendre 3 ans, mais dans 3 ans, on se fait une guerre à tout péter, les gars. Vous allez rien comprendre. Vous allez rien comprendre. On va se faire une guerre. Oh là 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 là. En attendant, on va peut-être lancer une construction d'un autre casus belli sur une autre terre. Dans le but de pourquoi pas faire une autre guerre plus tard. Là, ok, ok. Je regarde la terre qui donne le plus, c'est celle-là. Donc Castlemark. On va créer un nouveau casus belli là-dessus. Le temps que les 3 ans de l'autre se fassent. Et comme ça, dès qu'on a fini une guerre, ou même peut-être avant qu'on fasse celle-là, on pourra récupérer un autre territoire. On n'est pas prêt pour ça. Ah, vous êtes pas prêts, les gars. On va bientôt être encore plus grand. Alors, mon deuxième fils a des stats dégueulasses aussi. Hein. Mon deuxième fils, c'est pas ouf. Hein. Mon fils a été adoubé. Let's go. Bien joué, chevalier. Et les enfants se sont mariés. Ok. Donc, les fiancés se sont mariés. Ça, c'est cool. Ok, vas-y, va rencontrer des pères. Au niveau de ma récupération... Et de ma revendication, on est toujours baissé parce que j'ai toujours plus de prestige que mon seigneur Lich, ça c'est cool. Après, comme vous voyez, je suis illustre, hein, pratiquement rayonnant, ce qui est énorme quand même, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de prestige. Après, on va beaucoup en dépenser pour faire nos guerres, mais normalement avec nos soldats, on devrait largement pouvoir lancer des guerres tout seul maintenant et plus appeler trop d'alliés. Parce que là, on a 10 000 soldats, dont 400, 500. Ouah, on a des unités d'élite en veux-tu, en voilà, voilà en gros. On va peut-être augmenter même encore un peu les tailles. Non, on va pas augmenter ça, on va augmenter ça. Voilà, là on augmente encore d'un régiment de 100. Je pense que ça peut être très intéressant. On va passer à plus de 10 000 soldats. Offrez la tutelle du chevalier, oui, si tu veux. On offre, on accepte. L'éditara, non. Quoique, j'aurais peut-être dû y aller. Non, c'était un festin. J'irai au tournoi maintenant. Et puis les fiancés peuvent se marier. Donc ma fille avec les Malister. Mon fils avec les Malister. Ok. Donc ça c'est cool. Ok. Vous pouvez gracier à votre courtisane. Je
la foutre en prison surtout, elle va pas me casser les couilles. Allez hop, en prison. Vous pouvez choisir un tuteur pour votre fille. Non, ça m'intéresse pas. Toujours le pont la mer, il veut pas me donner autre chose, hein, le septon. Il me saoule. Donne-moi autre chose, connard. Il veut pas, hein. Niveau d'intendance, let's go. Ça, c'est parfait. Maintenance des troupes d'armes par redoutabilité, moins 0,5. Oh oui. Oh alors là, on fait un grand pas dans l'argent, dans l'argent, dans l'argent. L'argent, la moula. Est-ce que certaines de mes filles ne sont pas mariées? Est-ce que certaines de mes filles pourraient nous faire des alliances, du coup? Oui, j'ai une fille pas mariée. Oh, let's go. C'est un héritier? Ton personnage, il peut mourir si oui, il passe quoi? Je passe à mon fils. Si je meurs, je passe à mon héritier. Donc je joue en fait, donc tous les jeux se passent sur plusieurs générations. Voilà. Alors, le chat. Je viens de réussir, encore une fois, Rewolfried, à refaire une dinguerie. On vient cette fois-ci de marier notre fille, Lady Lana de Tarish, en matrilinéaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué, matrilinéaire, c'est-à-dire que les enfants sont de ma famille, au prince Baron des trône de fer. Donc c'est les fils Baratheon. Donc c'est le deuxième fils. Si cette fois-ci on arrive à assassiner le prince Harmon du trône de fer et qu'on se chie pas comme la dernière fois, là on aura vraiment... Ah bah non. J'ai rien dit. En fait j'avais mal vu. Mais actuellement l'héritier du fils de l'héritier du roi Gaillard, qu'en fait je m'étais chié et que je m'étais dit hey, lol MDR, regardez comment j'ai chié et j'ai chié dans la couille. Bah non, en fait non, j'ai rien dit, je sais pas pourquoi en fait, et je sais pas comment ça a dû s'afficher ou alors j'ai dû mal voir, mais notre fille est bien mariée en matrilinéaire au seigneur des sept couronnes, le prince Harmond. Donc ça veut dire que dès lors que ma fille sera en âge de se marier et qu'elle épousera et qu'elle fera un enfant avec le roi Harmon, le territoire des sept couronnes, sous mon autre fils, donc c'est-à-dire sous le fils de ma fille, donc mon petit-fils, sera Reign. Ça veut dire que les Reign contrôleront, si en plus d'ici là on récupère ça, les sept couronnes. Donc c'est-à-dire que notre famille peut actuellement, dans l'état actuel des choses, contrôler tout Westeros. Ce qui est quand même, si on le voit comme ça, hein, une petite dinguerie des familles. Parce que je pensais avoir chié, mais non, en fait, j'avais bien réussi. Donc, je suis très content. Chevalier qualifié, merci pour le prestige, mes amis. Ça fait plaisir. Quand mes soldats comme ça vont en tournoi et gagnent du prestige, ça fait zizir. Un curieux visiteur. On va faire ça. Hop. Tenez 75 de prestige. Donc là, en vrai, les gars, on est vraiment, mais vraiment, excellemment bien. On est excellemment bien. C'est une dinguerie. J'aurais peut-être dû faire un territoire là-dessus, au final. Parce que vu qu'elle va récupérer ça... J'ai une crampe. Ah bah frérot, c'est ça, hein. Va pas te plaindre après, hein. Je veux dire, il y en a bien pas mal qui aimeraient être à ta place, mon gars. On va se mettre là. Ça va être une dinguerie absolue ce qu'on va faire là, le chat. On va enchaîner des dingueries. Vous êtes pas prêts? Oui. Donc ça, ok. Donc il m'a pas donné tout le truc, malheureusement. C'est pas ce que j'aurais voulu qu'il me donne tout, mais 5000, ok. Faux revendications. Là, on attend juste que les unités soient levées et on va pouvoir attaquer. Mon fils est adoubé chevalier, let's go! Ça, c'est cool. On les a défoncés, vous voyez hein, vraiment l'évolution et l'augmentation de nos armées, on fait énormément de kills, on les a défoncés. Genre vraiment je viens de les victimiser, on a fait combien de morts? On en a tué 1900 pour 800 pertes, déjà qu'on avait deux fois plus d'armées qu'eux, on vient de prendre un x2 au niveau de l'avantage, c'est insane. C'est une dinguerie absolue, là on est très très bien. Je m'en fous. On va pouvoir faire hop un assiègement. S'ils nous attaquent, ils sont cons. Bah voilà, ils sont cons. Bien joué. Bien joué les bolos. Voilà. On vient de faire encore une fois. Ah,
Duo, mon fils vient de faire... Oh putain, elle est magnifique sa femme. Il vient de faire des jumeaux, Faril et Siran. Et on vient de faire encore 1200 kills pour 400 morts. C'est encore worse, on vient de reprendre 800 d'avantage encore en plus. C'est une dinguerie. Là vraiment, c'est une maîtrise qu'on est en train de faire. C'est fou. Même pas besoin d'appeler d'alliés. Et on perd pas trop d'unités, ça va. Donc on va pouvoir tranquillement se remettre bien dès qu'on aura terminé cette guerre. Là vraiment, je suis désolé le chat, mais je suis en train vraiment de vous proposer, pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, etc. Mais là, je suis en train de vous proposer du gameplay. Oh, là c'est incroyable ça. Vous verrez jamais des reigns autant gérés. Culture divergente. Ok, pourquoi pas. Et là, ils ont plus d'unités, donc ils ont gagné. On a gagné. Vous pouvez nommer un nouveau successeur. Enfin, nommer un nouveau successeur. Let's go. Recru. Non. Voilà, viens toi. Ok. Notre chef de la foi toujours sur Pont la Mer. Il veut pas donner autre chose que Pont la Mer, le connard. Magnificence de la cour à 6. Putain, mais décidément. Mais attendez, mais. On a changé encore de. What? Ok, il va falloir attendre. D'accord, il veut toujours pas. Let's go. On va attendre que la guerre soit finie. Je pense que ça doit être à cause de ça. Alors, on va entraîner les QI à la con. Là, il m'emmerde depuis tout à l'heure. Il arrive à rien. Il est nul. C'est en train de parler de dinguerie dans le chat, là. Voilà. Là, on récupère un territoire. On peut augmenter notre taille. Et ça, c'est parfait. Là, c'est dinguerie. On va pouvoir rançonner Lady. À lui, hop, nommer un successeur. Toujours pas, pourquoi? Merci, voilà. Parce que c'était bon, pas mon chevalier encore, c'est pour ça. Okay. Ma fille sera juste. Allez, ma fille sera juste. Ok. Les Brax décident de venir à la cour pour me donner de l'argent et du prestige, parfait. Et on me propose de payer la rançon. On me paye 10 pour sortir quelqu'un de prison. Vas-y, si tu veux, avec plaisir. Et on va se créer un casus belli maintenant sur Foise d'eau. Dans le but de pouvoir les attaquer. Notre trêve avec les Lannister se termine dans combien de temps? Dans 19 mois. Est-ce que notre construction à Castamir s'est terminée? Pas encore, elle se termine dans 3 mois. Ok, on est pas mal. C'est pour ça que tu nous aimes bien, avoue. Ouais, j'avoue un peu quand même. Ah putain. Mais oui les gars, il en a deux pour lui, c'est un chat ce mec. C'est un chat de fou. Le mec il en va deux, je suis moche, j'ai pas confiance en moi. Le mec il a deux meufs. Une meuf et sa sœur, c'est pas mal hein. Franchement moi je veux bien être pas chaud avec les meufs si c'est pour me trouver avec ça aussi hein. Toujours pas 51% des territoires, malheureusement. On y est presque. Là si on récupère, je pense que si on récupère tout Castrel Rock dans la prochaine guerre, je pense qu'on devrait avoir assez de titres pour pouvoir revendiquer le titre au Fossovois. Et je pense que ça pourrait très largement se faire. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais ça devrait le faire. Non, ma fille sera pas lâche, ma fille sera timide. Putain, lâche, timide, paranoïaque, quoi, le combo de merde. Allez, on l'a... Ok, parfait. Putain, on gagne 18 gold par jour, c'est énorme. Ok, malheureusement, cette construction fait qu'on perd de l'argent, vous voyez, hein. Ici, on perd plus d'argent, mais c'est important parce que c'est pour la construction de notre ville. 5 ans encore, 5 ans, 5 ans, 5 fucking années. Mais les unités sont en train de monter. Donc on va commencer à gagner des unités avec ça. Et après quand on sera bon, bah on pourra faire château type de propriété quoi. Quand ce sera plus une ruine. Donc dans 5 ans construire une nouvelle construction terminée. Par contre il y a un truc qui... Alors, chose à savoir, le nouveau dirigeant des 7 couronnes vient de changer. J'ai même pas lu ce qui s'est passé. Donc, mais non mais je me suis encore fait niquer. Mais pourquoi? Non voilà, c'est bien ce que je disais. Ah putain, ok. En fait quand j'avais cliqué, c'est parce que j'avais cliqué sur le dirigeant des terres de... Quoi? Attends, ouah, je comprends rien, c'est pas grave. Donc actuellement... Mais what? Bah non, c'est bon. Quoi? Attendez.
Je comprends plus rien. Attendez, je comprends plus rien. On devait pas récupérer les... Les territoires ? Putain de merde. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai fucking compris. En gros, ils ont pris les enfants de son premier enfant. Donc en fait, non, c'est la merde. Donc en fait, non, j'allais pas récupérer le trône. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont passé à l'enfant de l'enfant, en fait. Et pas à moi, en fait. Donc c'est de la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser les fiançailles là. Et on va les refaire encore avec les Baratheons. Dans le but d'avoir une alliance. Et non, on peut plus les avoir, ok. On va faire ça avec les terres de l'orage. Pourquoi pas. Ma fille. Parce qu'il veut, il veut plus faire d'alliance, ce connard. Oh putain, la vache. Je suis désolé. Mon fils, on va briser les fiançailles. T'inquiète pas. Je vais te sauver, mon fils. Ah ouais, non, mon fils, elle est pas mariée, ça, hein, s'il te plaît. Hein. Un peu de respect quand même pour mon fils. On va le marier avec. Les Tarly. Non, avec eux. Avec eux. Non, avec, avec eux. Avec les Manderly. Les Manderly, en plus, on a déjà eu une alliance à une époque avec eux. C'était bien. C'était bien. Bon, bah, du coup, j'ai chié dans la colle, j'ai rien dit. On ne récupère pas le trône des 7 couronnes, malheureusement. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes tous des charbonneurs. Ah non, moi je suis le... C'est loin d'être le cas, hein, t'inquiète pas. Je ne suis pas du tout un charbonneur, malheureusement. Ok, on a deux alliances qui viennent récupérer. Alors c'est pas des alliances aussi fortes que le roi des 7 couronnes, mais c'est pas mal. C'est mieux que rien. Lady Tisane, allez, bon, Lady Tisane, là tu vas prendre ton tas de tisane, tu vas pas me casser les couilles. Ok, 15 mois avant de pouvoir attaquer les Lannister, c'est parfait. Pareil, on est ensemble, ça écoute. Hein. Poto, on est là. Hein. On est là, on est là. Hein. Paye la rançon. Il me paye. Let's go. Non, j'avais pas envie de mourir. J'ai 1% de chance de mourir. J'ai pas envie de tenter le diable, je vous avoue. Les 1%. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Alors là, jamais. Je tente même pas 1%. Pas ça, t'auras soit Mélina, soit Morgane. Hein, frérot, y a le temps. Hein. Y a le temps, y a le temps. Pourquoi j'ai plus de prestige? J'ai plus de prestige. J'ai un chien à colle. J'ai plus de prestige parce que j'ai brisé les fiançailles. Oh le con, j'ai brisé les fiançailles, donc j'ai plus de prestige. Oh, enfin, j'en récupère. Ah, j'ai été teubé. C'est pas grave. Allez, on marie. C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait des petites erreurs, mais bon, c'est pas dérangeant. Ça va pas détruire mon truc. Toujours à 10 mois de pouvoir attaquer. Au niveau de là, on est comment? On va pouvoir attaquer eux d'abord. On va d'abord attaquer les fosses d'eau. On peut récupérer tout le territoire, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ils sont en alliance à 1002 et 1007, donc je peux largement le faire tout seul. On va pouvoir récupérer tout ce territoire, tout ce duché. Qui va permettre en fait de tout simplement récupérer un énorme territoire et de pas perdre l'autre. Et normalement on devrait passer à 51%. Malheureusement j'ai plus assez de prestige. Donc ça va être chiant. Mais on devrait être pas mal. Déclarer une guerre. Hop. Pour mes revendications. Malheureusement je viens de lever mes armées. Donc je vais devoir les reculer un peu. Parce que sinon en fait elles vont pas se lever pendant pas mal de temps. Voilà 10 jours. On va attendre un peu. Voilà. Et on va attaquer directement la capitale. Qui sont en train de venir sur le chemin, c'est con. Donc on va les ken, on va les choper. Non, on les a pas chopés, c'est pas grave. Concentré garçon, ouais, frérot, ouais, il faut. Hein. Allez, tuer, hop. Il va être nul. On va scinder notre armée en deux. Le but, ça va être de choper les autres. Comme ça, on a une armée qui assiège et l'autre qui attaque. Voilà, hop. Et comme ça, on va pouvoir directement retourner après à l'assaut. 31 quand même leurs combattants, hein. C'est pas de la merde. Hein. D'ailleurs, en parlant de combattants, je vais regarder au niveau des prisonniers, si on n'a pas des prisonniers qui peuvent être intéressants. Au niveau stats, ou au niveau... Putain, on a des prisonniers à Lannister, let's go. Oh là là, on a des prisonniers Lannister, en veux-tu, en voilà. Hein. Oh, oh la vache. Toi, je vais te recruter. Que t'es pas si mauvais. 10. Bah, le reste, c'est de la merde, ok. Ils appellent même pas leurs alliés parce qu'ils sont, ils savent quoi, qu'ils ont perdu, c'est con. Devenir le tuteur d'Amnesia Fossovoie. Putain, mais je vais être le tuteur de combien de gosses là, de chez toi là? Fossovoie de con.
Voilà, c'est gagné. Et voilà, nouveau duché récupéré. Je ne suis pas le duc officiel hein, de la zone normalement. Je crois que le duché n'est même plus créé. Mais je crois que je peux le recréer derrière. Ah, c'était Jamie Lannister. Trop de duché. Ah non, ok. Duché des champs. Je vais l'accorder à. Je vais l'accorder au Fossowa. Hein. Le but c'est vraiment de leur accorder les titres. Mais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Belfrey, Ben Rickman. Attendez, attends, c'est quoi ces conneries? Attends, ça va être titré toi? Si? Oui, bah pourquoi je peux pas te donner le duc? Ah, il est déjà en train d'étudier une proposition, c'est pour ça, ok. Ok, ok. Donc toi, je vais te redonner le truc parce que ta famille l'a eu pendant des années et des années. Le but, voilà, grande seigneurie, tu m'aimes bien, tu voudras pas faire de guerre parce que du coup tu m'aimes bien minimum. Et là, on vient de se mettre très très bien. Pourquoi je peux déclarer les... Ok, contre le bois doré, sauf que le bois doré est un allié de longue date. Même si on est plus en alliance maintenant, c'était des alliés, donc on va pas les attaquer. Vrai, j'emmène ma copine, sa soeur et toutes ses potes à Lyon, c'est le gars. Ah ouais, le mec, il va nous ramener tout son harem à Lyon là. On n'a pas 51% des territoires encore, putain la vache. Il en faut combien, bordel? Décidément. Ce qui serait parfait là, ça serait de pouvoir en fait simplement faire des tournois dans le but de gagner du prestige un minimum, ou que mes soldats puissent en gagner, mes chevaliers, parce que mes chevaliers sont excellents. Excellent. Ah non. Ah non. Ah, vous voyez un event qui n'a pas malheureusement été qui n'a malheureusement pas été traduit. C'est un peu dommage. J'ai que deux meufs. Ouah, super le harem. Un harem, ça commence à deux hein. C'est le principe hein. Bon, perso j'en ai zéro. Donc tu vois, t'es quand même mieux que moi dans tous les cas hein. Payer la rançon. Ok, vas-y. Paye si tu veux. Ça me fera de l'argent. On a bientôt 51% du territoire les gars. Là on récupère Castral Rock et toutes les villes aux alentours, on l'a. Putain, le chevalier, oui. 10 jours les gars, 10 jours. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Cette meuf, vous savez, cette meuf, elle m'en veut. Hein. Cette meuf, elle va en faire des cauchemars demain, vous savez pourquoi? Parce que cette femme, Lady Lana le sanglant, la sanglante, techniquement, je l'attaque depuis qu'elle a 10 ans et ça fait 47 ans que je pique ses territoires au fur et à mesure. Elle doit péter un câble. Et c'est parti pour la grande chefferie de Castral Rock. L'ultime bataille. L'ultime bataille. Bah pas finale, hein, mais l'ultime bataille contre les Lannister, dernier de leur territoire. Si on fait ça, normalement, on a terminé un nouvel objectif, le chat. Et j'espère que vous serez avec moi pour vivre ce moment. Ceux qui seront là, c'est historique. C'est historique. C'est Gucci. Et c'est Durhan, mon maître d'armes et mon commandant des armées, qui va lead les armées lors de cette grande bataille. Je vais couper mon armée en deux encore une fois. Le but va être de choper les Lannister pour pouvoir leur faire, pour leur mettre des dégâts. Et ensuite pouvoir tout simplement me mettre bien. Je vais pouvoir directement aller attaquer. Voilà, c'est bon. Et on va pouvoir après le faire. Secret dévoilé. Ok, on fout. Bouffon de la cour, une bonne histoire. Vas-y, divertis-moi. Ok, on gagne en militaire, c'est parfait. Ok, l'artefact va bientôt être détruit, on le reforge. Le but c'est pas de perdre l'artefact. Prisonniers peuvent être rançonnés, on rançonnera plus tard. Allez hop. Ok, il a enfin réussi une séance, le mec que je suis en train d'entraîner. Let's go. Okay, glissement rocheux à tremble, c'est un peu chiant. Pourquoi je perds autant de dessous? Ah ok, mon armée levée me fait perdre beaucoup d'argent, ok. Alors on va y aller, on va y aller, on va y aller.
Voilà, on va y aller. Hop, ça coûte 51. Je vais y aller pendant la guerre. Comme ça, on va pouvoir en fait aller tout simplement guerroyer, tournoyer, faire des tournois. Et si on peut derrière choper du pourcentage, ce serait génial. Si je réussis. Alors attends, wow, trop d'event. Ok, ça va marcher. On a réussi à les attaquer. Ça m'étonne qu'on n'ait pas gagné, parce que c'est censé être une dame, donc elle devrait être à l'intérieur. On va scinder l'armée en deux. Et faire un siège de deux endroits. Et là on va les aider. Comme ça on les a feintés. Regardez, on les a feintés pour aller les attaquer derrière. Et ça c'est magnifique. Tournoi. Je vais pas encore rien faire. Temple. Ok, on peut toujours pas. 26 jours, ok. Ok, ça c'est bon. Hop, on peut envoyer une arme. Non, pas une. Ah. Voilà, 4000. Ah putain, j'ai avancé trop. Putain. J'ai trop avancé, les gars. J'ai chié dans la colle, c'est pas grave. Allez, c'est parti. T'inquiète, mon gars, tu trouveras un travail un jour. Il faut rester positif. On est d'accord. Le problème c'est que le tournoi pendant la guerre ça aide pas. Parce que j'arrive pas à me gérer. Ok. Ma gloire est bien connue, let's go. Village. Let's go, on gagne 52 prestige, c'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait. J'ai perdu l'argent, c'était le prestige que je voulais. Je ne peux pas participer au tournoi, ça fait chier. C'est pas grave. Ok. Alors attendez, parce que là il se passe un petit peu de dinguerie. Parce que là je suis en guerre en même temps, hein, parce que bon, autant se faire plaisir pendant qu'on est en train de faire un tournoi. On est en guerre, on se bat avec des gens. Hein. Y a des gens qui meurent chez moi pendant que moi je suis en train de festoyer, là, tournoyer. C'est gagné. C'est fucking gagné. Et ça c'est beau. Quel territoire j'ai gagné en fait? Je ne comprends pas. Moi c'était pas pour le duché que je voulais, mais je pourrais la... Qu'est-ce que j'ai récupéré en fait? Je ne sais pas. Ah c'est à moi ça? Si c'est à moi, ok. Pourquoi j'ai ça moi? Je m'en fous. Ok. Cendre marque. Case. Ok. Belfray, oui. Bourligne, oui. Pendrickmon, oui. Castamir, oui. Ah c'est bon, je suis à 7 sur 7. My bad. La France rentre 4 fois dans le Québec pour le surfacier. Ah d'accord. C'est vrai que toi, tu peux jouer en ligne à ce jeu ou c'est juste seul? Non, tu peux jouer en ligne, tout à fait. Tout à fait, tu peux totalement y jouer en ligne. Voilà. Il a quel âge ton roi? Mon roi a 46 ans. Désolé, hein, le chat, je suis un peu concentré, malheureusement. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu oublié de répondre à vos questions. Je suis désolé, hein, n'hésitez pas à les répéter si je les ai pas vus. Ou à me le dire, peut-être à... Voilà, vous pouvez éventuellement ouais, le dire un peu que je regarde pas ou que je j'ai pas vu. C'est un peu con quand même. Parce qu'à la base, je suis là pour ça. T'inquiète. Espère pas, il suffit... Le... Aïe, 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 aïe. Faut pas désespérer, les gars. Hein. Le permis, vous pouvez l'avoir. Hein. On va faire les rançons de tout le monde. Je contrôle trop de duchés. Grandisse vite. Trop d'event. Oh oui, putain. Oui. Grande seigneurie de Castral Rock.
À qui je vais donner la seigneurie de Castral Rock, les gars? Parce que là, la Castral Rock, c'est pas de la merde. Je vais la donner à quelqu'un de ma famille. Je vais la donner à mon neveu. Et attention le chat. Attention le chat. Parce que là, vous allez voir ce qu'on appelle la dinguerie ultima. La dinguerie ultime. Demandez le casus belli du titre de royaume des terres de l'ouest. Et là c'est dinguerie. Et là c'est dinguerie pour une chose, une seule et même chose, c'est que c'est dinguerie. Voilà. Alors malheureusement, il va falloir attendre un petit peu parce qu'on n'a pas assez de prestige pour l'instant. Il va falloir attendre un peu de gagner du prestige, mais... Est-ce que je peux... Oh si, je peux gagner du prestige. Oh, je peux gagner du prestige. On va faire une grande tournée, les gars. On va faire une grande tournée pour gagner du prestige. Ok, vas-y. On va faire une grande tournée dans toutes les villes, les gars. Le but, là, ça va être de gagner du prestige pour ensuite faire une dinguerie. Et là, les gars, vous êtes pas prêts. Franchement... Vous êtes pas prêts. Vous êtes fucking pas prêts. Vous êtes pas prêts. Alors ça va me coûter un peu de... Ah, il y aura du danger. Tourage modeste. Quinte de prestige, voilà, on fait ça. Quinte de prestige. Là, on met tout ce qu'on a. Parce que le but, c'est de faire une tournée qui nous rapporte le prestige que l'on mérite fois 20 000. Et comme ça, on sera bien. Regardez-moi ça. On va faire une tournée, les gars. Ça va être insane. Voilà. Déjà, premier event de tournée. Allons-y. On veut du prestige, là. On veut du prestige. Tout ce qu'on veut, c'est du prestige. C'est gagné. Bah voilà, on a déjà tout le prestige qu'on veut. On a déjà tout le prestige dont on a besoin, les gars. Donc on va finir tout simplement cette tournée et ensuite, c'est dinguerie. La musique qui s'excite tout seul. Ok, là on part dans une nouvelle ville. Ville de mon neveu et vassal, lord de Castral Rock. Alors de la seigneurie hein, de Castral Rock évidemment. C'est vrai que Vos, tu as un streamer qui t'a donné envie de te lancer dans le stream ou c'est toi-même qui a envie de commencer? Alors, le streaming, c'est moi, mais YouTube, etc., ça m'a beaucoup, matrixé. Après, j'ai beaucoup aimé MV et... En vrai, si. Streaming, je dirais MV et Zerator, du classique, mais incroyable. Et au niveau de YouTube, bah, c'est Fanta et Bob, quoi. Forcément. Ok, amitié nouée avec mon neveu, ça c'est parfait. Regardez-moi comment on est BG les deux, là. Alors j'ai juste envie de voir un truc, mon fils comment il se débrouille. Mon fils a des stats pas dégueu finalement. Oh, putain mon fils il est chaud en fait. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il est membre de la cour administrative, c'est bien. Allez, on arrive à Lucione, pardon. Coureuse de rempart. Laissez-moi, coureuse de rempart. Sale gueuse. Ah, attendez. On évite le P. Wolfried, mon cher Wolfried, le message avait été out à cause du P et des petites étoiles, s'il te plaît.
Non, comme je te l'ai dit, mon cher... Comme je te l'ai dit, mon cher ami, ce n'est pas des amis, ça. Hein. C'est des connards. Mais bon, faut que tu comprennes, mon gars. Hein. C'est pas des amis à ce niveau-là. Hein. On est en train de gagner un max de prestige, les gars. C'est insane. Hein. Évidemment, je ne demande pas l'hommage. Aucun intérêt. On passe à la prochaine ville. T'as un jeu préféré ou pas? Ah, j'aime un peu tous les jeux que je fais, vous savez. Donc, je sais pas vraiment si j'en ai un jeu préféré. Ah, j'ai un mal d'estomac pour 5 ans, d'accord. Putain, la vache, la bouffe, elle devait vraiment être dégueulasse pour avoir mal au bide pendant 50 ans. Pardon, 5 ans. Tu sais, pendant 5 ans, t'es encore en mode... ça fait mal. On avance. Non, mais il m'emmerde, lui, à toujours vouloir se mettre son gars, là. Putain. Ok. Rang 4, les gars. Oh putain, la vache, on va tellement gagner de points. J'ai sauvé la vie d'un homme. Let's go. Je viens faire le tour et je sauve la vie de quelqu'un. C'est quand même pas mal, ça. Hein. Je sais pas ce qu'on en pensait, le chat, mais ça c'est du Gucci, ça. Non, je n'instaurerai pas la taxe. Ici, on est là pour s'amuser. Bah, pas pour s'amuser, mais pour aller tranquille. Ah. Histoire de fantôme. Depuis la reconstruction de la ruine a commencé, mon chevalier Aubrey a commencé à relayer des informations racontées par des petits peuples à propos des ruines. À chaque coin de rue, j'entends des murmures parmi mes hommes, des cris à glacer le sang, des fous frénétiques. Aucun ne reste en vie. Malheureusement, ces récits sont sur la maison malheureuse qui abritait les ruines se répandent dans ma cour. Non, on trouve notre courage, le courage. Oh, je deviens brave à 10%. Oh putain, je l'ai pas eu, dommage. J'aurais bien voulu être brave. Il traînait. Oui, il traînait, c'est bien ce que je dis. Il traînait, ça s'appelle des traînées, tu vois. T'as dit toi-même, des traînées, des salopes. Des connards qui disent que ta meuf c'est une connasse, c'est que c'est des connards. Tout simplement, t'as pas besoin de te justifier ou de réfléchir. Hein. Des vrais potes, ils diraient pas que ta meuf c'est une connasse. Ils diraient peut-être qu'elle est pas faite pour toi, que peut-être qu'il y a des meilleurs trucs, mais ils diraient pas c'est une connasse. Rejoindre une guerre? Oh, tu fais chier, mon gars. Bah, j'accepte, hein, mais je la rejoindrai pas. Bon, j'ai annulé mon grand tour, hein, mais bon, c'est pas grave, j'ai eu ce qu'il me fallait. Wow, trop d'event. Wow. Alors, ça m'arrange pas parce que là, une guerre pile avant que je lance la mienne, ça me fait chier. Ça m'arrange pas. Je m'en fous. S'il aime sa copine, ça lui d'en décider. On est d'accord. Là, il se termine quand déjà? Quand j'ai terminé ça, les gars. En l'an 354, AC à la 23e de la... au 23e jour de la 5e lune.
Lord Limonde de Tarige de la Maison Règne déclare officiellement la guerre à Roi Lucel la mauvaise pomme des terres de l'Ouest pour le titre de gouverneur et souverain des terres de l'Ouest. La guerre est déclarée. On va appeler tous nos potes. Alors là les gars, on appelle le Val, on appelle les oiseaux de proie, on appelle les terres de l'orage. Et voilà pourquoi j'ai utilisé toutes... Pourquoi j'ai récupéré plein de prestiges, parce que pour appeler tous mes potes, voilà tout simplement. Là, on va envoyer du steakhouse, les gars. Là, va falloir envoyer. Hein. Blanc-port. Et on va même appeler Lord Barrett. On appelle tout le monde. Ça rigole plus. C'est parti. Va falloir être bon, parce qu'en fonction, je peux être vraiment dans la merde, parce que mes alliés vont quand même arriver assez tard. On va falloir faire gaffe. J'ai peut-être un peu été en déficit de prestige, j'avoue, mais on s'en fout. Le but là c'est de gagner, si on gagne c'est gagné. C'est le principe, hein. Si on gagne c'est gagné, oui c'est logique, mais vous avez compris quoi. Le bif a pas encore accepté. Ils ont accepté ou ils n'ont pas encore accepté? 57 000 contre 17 000. Let's go. Ils ont tous accepté. Let's go. C'est parti. C'est fucking parti les gens. J'ai 17 000 unités à moi tout seul. J'en ai 17 fucking 1000 à moi tout seul. C'est-à-dire, je peux battre le seigneur en face à moi tout seul. Là. Je lève tout le monde. C'est l'heure de la guerre. On va rallier les armées. En faire une et seule et grande. Tous. À Castral Rock. Ils sont en train d'attaquer Castamir, ces connards. Et ils sont en train de l'assiéger super vite parce que Castamir, malheureusement, n'est pas une ville défendue. Et mes alliés devraient pas tarder à arriver. Pas tarder. Bon, ils vont arriver dans longtemps, mais ça devrait le faire. C'est en train de faire le siège de Fier Donjon maintenant. Malheureusement, j'ai perdu mon châtelain. Mais voilà. Où sont mes alliés? Mes alliés arrivent. Les troupes arrivent. Il faut attaquer les Fossovois. Attaquez-les! Attaquez-les! Faites-leur découvrir la haine, la destruction, la mort. Mettez en avant les reines et leur règne est enfin arrivé. Nous allons enfin régner sur les terres de l'Ouest. Les terres de l'Ouest ne seront plus que d'un lion. Le lion de sang et pas le lion d'or. Bah, qui n'est plus le lion d'or maintenant, c'est la pomme. Mais vous avez compris quoi. 43%. Là, on vient de mettre une grosse tatane. On attaque, c'est parti. Faites-moi le siège de Castral Rock, mes amis. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Il n'y a pas d'autre moment, c'est le moment. Là, on va tous les attaquer. Alors là, déjà, on va les attaquer là, parce qu'ils sont, ils sont tous là. Ils sont restés en stationnaire, c'est con. Ma fille à la vérole. Merde. Alors je vais juste aller niquer ces connards qui sont en train de me raid. Ces chiens là, je vais juste aller les niquer. Pendant que mes potes sont en train de faire le taf. Vérol, un nouveau jour, ok. J'ai l'impression que ma fille est bonne. Et maintenant elle s'est soignée. Ok, mon fils a encore fait une fille, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. Attaquez-moi ces Fossovois, putain! Il faut que nous assiéger! Détruisez-moi ces Fossovois et récupérez les putains de terres de Castral Rock! C'est con, mais quand on a plein d'alliés, ça aide! Ça aide d'avoir des alliés! On peut les marier, hop! Oui. C'est parti pour l'assaut ultime!
Oh, la musique qui s'enjaille, le chat, la musique qui s'enjaille. Et les gens de ma famille qui sont en train de faire plein de gosses, let's go. Le sexe, quel plaisir. Bâtiment achevé, mes alliés, 27 000 alliés qui arrivent de nouveau, let's go. Allez, avec vos, on va y arriver, les alliés. Let's go. Évidemment, comme d'habitude, hein, le lag c'est normal, malheureusement. C'est le mode qui veut ça, le mode est pas opti, let's go. Oh les gars, faut aller peut-être. Faut peut-être aller attaquer les autres, hein. Non, d'accord, ils veulent pas. D'accord, ils sont en train de faire n'importe quoi, c'est pas grave. L'IA du jeu, merci. Ta gueule, toi, toujours vouloir pousser ton gars dans l'armée, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Oh putain, les 70 000 soldats contre les 4 000 là. Oh là là. On a encore 22 mois de siège. On a récupéré la Nisport. Récupérez-moi tout ça. Faites-moi le siège de partout. On récupère, on devient avare. Let's go. Nouveau trait de personnalité de mon personnage. On train d'assiéger un peu partout. C'est parfait. La guerre est gagnée, hein, la guerre est gagnée, il a plus que 1200 soldats, c'est fini. C'est fini. Ça va être fini, il suffit juste de continuer d'assiéger comme ça et c'est terminé. 55%. Récupérer les terres qu'ils ont repris. Ah, ils sont quand même en train d'assiéger les connards, hein. Ah, les bâtards. En train de prendre Hickmon, mais il y a les unités qui sont en train d'aller chercher, mes alliés. Il y a mon nouvel allié qui arrive, qui avait perdu sa guerre, je crois. D'accord, c'est quelqu'un de ma famille qui a foutu le bordel. Oh bah d'accord, foutu le bordel hein, si tu veux. On a que chopé droit de propriété, let's go. La guerre qui veut pas se terminer, hein. Et vous pouvez pas m'aider à siéger là, au lieu que ça prenne 10 ans. Ils veulent pas, ils veulent pas. Go go go, bah là on attend que ça les gars, go 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 hein. Ils veulent pas venir m'aider à siéger en fait Castral Rock, j'ai l'impression. Donc ça vraiment en train de prendre un an tout seul. Ok, ils vont pouvoir récupérer ça. Ils ont gagné combien avec ça? 12, ok. Qui perdront 12. On gagnera 12 plutôt. Ok, Lord Valar, merci pour l'argent. Argent des abonnés. D'ailleurs on en est où des constructions de Castamir? Parce qu'en attendant... Ok, il me suffit plus que 2400 gold et on peut améliorer Castamir au max, les gars. Donc déjà, on va récupérer les titres et en plus, il nous manquera plus que 1500 gold. Et on devrait pouvoir terminer. Ça veut dire que normalement, la prochaine session sera officiellement la dernière de cette aventure. On aura ultra avancé, on aura vraiment fait tous les objectifs, ça aurait été une dinguerie. J'aimerais bien terminer sur la prise de Castral Rock quand même, plutôt que des territoires un peu sur le côté. Allez, plus que 7 mois les gars, c'est fini. En l'an 26 de la 5ème lune, l'an de grâce AC357, après 3 ans de guerre contre la famille Fossevoix, les règnes suffisent, son fils, waouh, allez, 1, 2, 3, j'arrive même pas à parler tellement je suis ému, sont officiellement et dorénavant seigneurs des terres de l'Ouest. Il me revient maintenant de diriger le vaste royaume que laisse mon vassal, le roi Runcel. Je me tiens devant mes vassaux, ajuste ma nouvelle couronne et tire la langue. Je vais accomplir de grandes choses. Longue vie au roi. Et je suis officiellement dirigeant des terres de l'Ouest. La famille règne. Let's go! On s'est en 5 mots, c'est ce que je me suis bien comporté. Oui, FDG, oui. Mec, ta voix va trop bien pour faire des voix de narrateur. Ah, j'espère que pendant la guerre, ça a pas trop lagué, comme vous le savez, le jeu. Voilà, encore une fois, il est pas stable. Mais j'espère que ça a pas trop lagué. Hein. On peut améliorer. On va augmenter les impôts de propriété. Parce qu'évidemment, nous, l'argent. Hein. Payer la rançon, elle me paye.
Vous pouvez accorder des vassaux à leur liege. On va les accorder, évidemment. Le but va être quand même de se faire bien voir. De pas se taper de rébellion tout de suite. Voilà. Vous devriez accorder la seigneurie de Castamir à quelqu'un. Pourquoi? Non. Non, non. Je ne vais pas l'accorder à quelqu'un. Je vais la garder pour moi. Je ne peux pas encore. Il faut que j'améliore encore. On relance un projet construction. Ok, pourquoi il me fait ça? On peut créer une distinction. Non, je m'en fous. On peut rançonner des gens. Évidemment, on le fera dans la prochaine session. Mais voilà, nous sommes enfin gérants des terres de l'Ouest. C'était incroyable, on a bien avancé. Le but de la prochaine session va être de terminer notre dernier objectif et de réussir notre dernier objectif. Normalement, il contrôle encore Castle Rock. C'est peut-être le seul truc que j'ai un peu de mal. Ça me dérange un peu. J'avoue, je ne peux pas lui... Non, je ne peux pas lui révoquer. On est en trêve. S'il me déclare la guerre, ce serait limite parfait. Comme ça, je pourrais récupérer Castle Rock. Mais dans tous les cas, voilà. On a avancé. On est officiellement roi des terres de... seigneur des terres de l'Ouest. Les Lannister n'ont absolument plus aucun territoire dans ces terres. Ce qui fait tout simple... Ah si, elle a encore un territoire, mais c'est qu'un comté. Comme c'était un objectif. Dernier objectif maintenant, reconstruire full Castamir. C'était Zorakvos. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde et merci encore. Ciao, bonsoir.